Et c'est reparti pour les super aventures de Cops. Aujourd'hui, ça sera du Cops avec la voix toute cassée, toute malade de Chrome. Voilà. Ça me fait pas rire. Ça me fait mal. Donc. En plus, on aura la voix hispanique des Guillermo aussi. Eh non, je dis, me faites pas rire. Ça fait mal. Donc régulièrement, je couperai mon micro pour tousser, pour éviter d'exploser l'oreille de tout le monde. Donc, on reprend. Nous avons un wedge bien en point. Aïe. Voilà. Il est mal. Je vais reprendre à partir du moment où il est mis dans l'ambulance. Qu'est-ce que vous faites en attendant, en fait? C'est surtout ça, en fait, en attendant l'ambulance. Déjà, on va demander dans quel hôpital ils vont l'emmener, parce que... Vous l'emmenez. De toute façon, vous êtes à New Danton, donc ils vont l'emmener au plus proche. Justement, c'est lequel? Si on veut essayer de le visiter plus tard, alors, ça serait cool de savoir lequel. Alors, comme j'ai pas la liste des hôpitaux sous les yeux, ça va être le même que celui où il y a ta sœur. Comme ça, je vais pas m'emmerder. Ah, ok, super. Enfin, elle est bien à New Danton, je me trompe pas. Ouais. Ouais. Hôpital Saint-Joseph. Mm-hmm. Bon, bah dites-moi, vous faites quoi? Est-ce qu'il y a des journalistes? Déjà, on attendait à ce qu'il fasse le ménage, parce qu'il y a quand même un sniper. Ah bah oui. Vous dites quoi au renfort qui arrive, que c'est bon, c'est réglé, vous êtes sûr? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas un deuxième sniper? Ah bah, si on a un deuxième, il a dû se barrer sans demander son reste, mais non, on est certain qu'il n'y en avait qu'un seul, d'après les tirs et tout ce qu'il y avait. Alors la question c'est, est-ce que vous prenez en charge l'enquête, ou juste vous contentez de faire un rapport? C'est au choix. Alors... Comme vous êtes le premier arrivé, vous avez priorité sur l'enquête. Vous n'êtes pas obligé de la prendre. Vous pouvez juste faire votre rapport et dire ouais, c'est bon, j'ai pas enquêté sur. Bah, a priori, l'enquête elle est torchée quoi. Le mec il est mort, c'est bon. Ouais, puis surtout on a déjà quelques-unes. Enfin, on a déjà deux enquêtes sur le palto. On va pas s'en remettre une troisième. Ah, mais c'est vous qui payez. Bah, parce que, bah moi. Fait, l'enquête. Attends, je vais juste préciser. L'enquête qui suivrait ça en fait, c'est savoir d'où il sort, c'est qui, qu'est-ce qu'il foutait là, qu'est-ce qu'il a fait qu'il s'est mis à faire des headshots dans toute la rue, est-ce que c'est juste un déséquilibré, est-ce que c'est il est derrière, il y a une secte, enfin voilà, je veux dire, il y a de quoi enquêter. Maintenant, c'est vous qui choisissez si vous prenez l'enquête ou si vous la laissez à d'autres gens. En fait. Bah, le truc c'est que. Ça me gênerait un peu de prendre l'enquête parce que je me vois mal aller voir la famille pour poser des questions en disant « Salut, c'est moi qui ai buté votre gamin là. Alors, il faisait quoi exactement dans la vie avant que je lui farcisse une balle dans le plein milieu des deux yeux ?» Alors pour le coup... Je comprends complètement, il n'y a pas de souci. Pour le coup, moi j'ai pas d'état d'âme. Hein. Mais le truc c'est que je me dis que c'est j'ai plutôt tendance à accepter moi dans le sens que... comme le mec est mort, c'est pas pressé. Hein, je veux dire, voilà... On va de toute façon, on va lancer les recherches habituelles pour avoir les rapports balistiques, etc. Le pédigré du mec, ainsi que son casier judiciaire ou comment on appelle ça, dossier médical. Et à mon avis, l'enquête elle sera faite de même. Tu vois, et du coup, ça me semble assez facile. Donc, je serais tenté d'accepter histoire de valider une enquête rapidement. Et qu'on peut même la postponer, on va dire, ouais. Jusqu'à ce qu'on ait fini la preuve, celle qui est en cours, je quoi. Je pense pas sur le côté avoir des bonnes stats d'enquête résolue, c'est cool.
Mais bon. Après, vous êtes pas... après, rien ne vous l'oblige. C'est pour ça que je vous pose la question. Je vous l'oblige pas, quoi. Comme tous les 10-18, ah oui, parce que ça à la fin. Il y a des quotas, il y a des machins, il faut les respecter, quoi. D'ailleurs, Guillermo, t'en es déjà un quota. On va pas mettre Lynn parce qu'elle est déjà sur l'enquête du Ku Klux Klan. Mmh. On va pas mettre le perso de Wedge parce que bon, ça serait un peu vache. Aïe, et puis j'ai déjà une enquête aussi. Et en plus, t'as déjà une enquête. Il reste moi et... Et toi. Et moi. Donc, bah, dans ce cas-là, bah, je vais dire que je vais prendre l'enquête. Hein. De toute façon, oui, en effet. Mon corps défendant, mais Lynn m'a dit que c'était bon pour moi, donc... Ok. Pourquoi pas. Bah, pour nous, surtout, on va dire. C'est toi qui t'es en charge de la scène de crime. Super. Bah, dans ce cas-là, il va falloir... les petits gars qui prennent les photos, le relevé d'empreintes, la totale, ils me font des mesures télémétriques au laser pour les impacts de balles pour vérifier qu'il n'y en a bien qu'un seul, etc. Enfin bref, la totale. Et puis vous me balancez tout ça sur... dis oui, bah, ça serait bien aussi que tu bosses. Hein. Oh, tout de suite, putain, je viens de l'arrêter, c'est bon. Non, tu l'as pas arrêté, tu l'as dessoudé. Tu peux m'expliquer la subtile nuance? Ça dépend de ta d'arrestation. Oui, on n'a plus besoin de lui lire ses droits, c'est pas mal. Ah, techniquement, je pense que sa machine à état, elle est sur le mot d'arrêt, là. Mais moi, pour le coup, je vais sortir ma petite mallette et puis je vais commencer à faire mes petites expériences, tout ça, tout ça. Essaye de voir si dans le... Parce que toi, tu lui as foutu des balles dans le buffet, alors essaye de voir si t'as réussi à louper son portefeuille. Ça serait bien d'avoir des informations directes, ça serait rapide. Déjà, on aurait de son nom. Alors, le gars en question est entré militaire, camouflage, ville. Et il avait, alors, le fusil, vous l'identifiez. Hop, je vais prendre la liste des armes. Hop, pour pas dire une connerie. Je vais couper le son parce que je vais éternuer encore. En fait, on aura surtout des clics. Alors, que je dise pas une connerie. Hop, il est là. Donc, clairement, bon, c'est un fusil sniper et il a été modifié. Je vais vous donner exactement la dénomination de l'arme dès que je la top. Voilà. Alors, il était où? Tac, tac, tac. C'est un Sharp 251LL. Arme créée pour la guerre de Corée en 2017, passée naturellement à l'armée et aux forces spéciales, elle équipe la plupart des tireurs d'élite des ULPD. Elle est aussi arrive dans certains tireurs en engagement l'utilisent pour des missions particulièrement bien payées. C'est un précise qui nécessite un bipied pour être particulièrement stable. Si je canne la puce du mec, elle me dit quoi? Il n'a pas de puce. Il n'a pas de puce. Il n'y a qu'un tiers des gens qui ont une puce, hein. Il n'y a qu'un seul tiers des gens qui ont la puce. Et si avec sa petite mallette, il essaie de regarder sur lui, il n'a pas de papier d'identité? Oh, il n'a rien. Il y a des balles. Il y a des munitions. Eh ben, on a Monsieur John Doe. Super. Il avait quel âge? La quarantaine. Et il s'était parti hurler la gueule. Enfin, parce qu'il en reste. Oui. Tu lui as tiré une balle dans la tête, qui lui a traversé la mâchoire et qui a explosé l'arrière. Techniquement, c'est pas elle, c'est moi. J'ai dit elle. Oui. Mais là, non. C'est pas grave. De toute façon, dans mon rapport, il y aura écrit que la balle n'a traversé que la mâchoire et n'a pas fait beaucoup de dommages. C'est la balle dans le bide qui a tué. En plus, tu peux rajouter que c'est suspect, j'aurais vraiment tout fait pour l'empêcher de parler, ce mec. Eh ben oui. Bon. Est-ce que je te fais un jet de scène de crime pour... Ouais, il faudrait récupérer ses empreintes, parce qu'à mon avis, je pense qu'il a dû être au moins fiché une fois, ce mec. Il a des chances, oui. Donc il avait des gants, alors... donc paf, empreinte. C'est intelligence, hein, enfin, éducation, quoi. Ouais, éducation. Le genre de gants qu'on utilise aussi au LAPD ou des gants... Non, bah des gants que tu peux trouver dans des stockages de l'armée, en fait. Hein.
La mallette, elle donne un bonus de plus, c'est ça? Un dé supplémentaire? Mm-hmm. Ah ouais. Combien de réussite? 3. Plon, tu le fais aussi un jet? Ouais. Sachant que je peux en relancer, hein. Attends. Ah non, 4, puisque mon premier dé est un succès. Ok. Pendant ce temps, dans l'ambulance. Et oui, vous avez mal, monsieur, quand on appuie là? Il appuie où? Bah, là où ça fait mal. Ah, ah ouais, ouais. Je le chope, je le colle. Vous recommencez, vous êtes... Et non, tu le chopes et ça fait mal. Ah. Bon, je t'annonce que j'ai oublié. Et là, l'ambulancier dit, regarde, tu vois, ça c'est une blessure par balle. Il parle à son collègue. Il fait, vous inquiétez pas, il est stagiaire, je lui montre. Il ne touche pas. Non, non, c'est moi qui touche. Donc là, regarde, surtout, il faut surtout pas toucher là, parce que ça fait mal. Il touche. Ça va être un pain dans la gueule, mais... Non, non, tu vas te faire mal si tu fais ça. Faites-lui un doigt, tu vas moins te faire mal, et là, il touchera plus avec ce doigt-là. Par contre, bon, attendez. Respirez ça, monsieur l'agent, c'est pour vous anesthésier. Ah merde, c'est ouais, mon copain. Vous voulez déjà m'endormir, quoi. Vous saignez, il faut peut-être arrêter quelque chose, là. Donc, vu que vous avez l'air de mal réagir au fait qu'on en touche... C'est un peu normal, je suis transpercé par une balle. Tu te sens tout engourdi et tu sens qu'il y a aussi qu'il y a une petite piqûre dans ton bras. Hein. T'as l'air un peu trop agité pour lui. Mais le mec, il me touche, quoi. Tu vas te retrouver dans 24 heures dans un motel miteux. C'est quoi un toucher rectal? Bon, alors. On avait dit pas de conneries avec l'enregistrement. C'est pas une connerie. Non, ça passe. Ça passe. Ok, je retiens. Bon. Donc, je t'annonce aucun succès pour ma scène de crime. Ok. Alors clairement, l'endroit où il est, bah, il est rentré par effraction, il a défoncé la porte. Oui, bah ça on s'en doutait. Ouais. Mais non, mais je vous donne tous les détails. Il y a une mallette qui devait avoir son arme. Il y a aussi du nécessaire pour se faire sa peinture de guerre sur le visage. Tout est là. A priori, il a dû faire sa peinture de guerre ici. Si j'étudie les modifications qu'il a fait sur l'arme, c'est pourquoi? Ou les munitions? Alors, les modifications, clairement, a priori, c'est limite une espèce d'aide à la visée, en fait. C'est surtout sur la lunette. La lunette a été modifiée, en fait, et il y a tout un attirail électronique qui est relié au canon. A priori, ça doit influer, en fait, sur le canon. Clairement, d'accord. Je sais pas si c'est lui qui l'a fait, mais c'est pas du travail d'amateur. Les modifications qui ont été faites, ça doit coûter bonbon au marché noir et il faut trouver le mec pour le faire. D'accord. Ok. Okay. Bon, de toute façon, j'ai relevé d'empreintes et surtout la balistique. Il vérifie dans les rues les impacts de balles et qui vérifie que ça concorde bien avec le sniper et sa position là. Oui, pour éliminer le fait qu'il n'y ait pas un deuxième taré qui recommence plus tard. Alors, déjà, t'es pas à l'abri qu'un deuxième taré recommence plus tard, mais qui aura peut-être rien à voir avec celui-là. Oui, justement, je préfère qu'il n'y ait rien à voir avec celui-là. C'est à dire. Ah. Ok, bah pas de soucis, vous aurez votre rapport. Sinon, s'il y a des questions sur la scène de crime ou des choses que j'ai oublié de vous donner, n'hésitez pas à les poser. La dernière chose, c'est en plus des empreintes, c'est les photos et des recherches pour les bases de données. Alors, le problème de la mâchoire défoncée, c'est que c'est vachement plus difficile. Oh, tout de suite. Je suis certain qu'on a des empreintes rétiniennes quelque part. Ouais, bien sûr. Par contre, t'as ton sang un peu partout. Hein. Ah bah oui, forcément. Mais je m'en fous, je suis inscrit dans la laverie automatique du COPS. Ah, non, mais je parlais du fait que c'était de l'ADN, mais c'est pas grave. Ah, il m'a pas touché, c'est son sang à lui qui est sur moi. C'est oui, non, mais je disais, si tu peux aussi, en plus, demander une identification ADN si les empreintes suffisent pas. Ah, bah oui, bah allons-y, de toute façon, vu que c'est Monsieur John Doe, on va essayer de demander une analyse large. Hein.
pense pas que ça va être très compliqué de trouver qui c'est. Ils le mettent dans le sac et puis... Est-ce qu'il avait de la une radio pour écouter les fréquences de la police, par exemple, quelque chose comme ça? Non, a priori, pas de radio, pas de portable. Un téléphone? Non, je comprends, pas de portable. Ok, bah de toute façon on va faire évacuer les blessés évidemment et puis les morts. C'est pas pour puis, moi, pour toi, mais moi je pense que c'est un putain d'illuminé de des groupes d'autodéfense qui a décidé de faire un carton. Oui, c'est vachement bah, rapide que pour une théorie je trouve sans rien trop savoir, hein, mais bon. Bah, pour moi c'est plutôt c'est un mec qui vivait une vie misérable et qu'il a voulu partir avec les honneurs en faisant du bruit. Putain de complexe de célébrité. Je suis plutôt avec les horreurs parce qu'il a tué des gens comme ça au pif. Il vous reste une heure avant votre fin de service. Bon, on va passer à l'hôpital, on va prendre des nouvelles quand même. Hein. De ta sœur? Bon. Quelle sœur? Bon. J'ai pas de sœur. Donc. On a perdu le MJ. Je m'étonne vu tout ce que j'ai craché là. De retour pour nous jouer à Villain. Donc, Denis, joueurs, tu te réveilles. Avant d'attraper une tuberculose avancée. Au bout de combien de temps T'en sais rien, t'es dans le pâté. Ah, c'est bon le pâté. Ah, t'es au cinéma trop gras, dans tous les cas, t'es dans un lit d'hôpital et devant toi, tu as Guillermo et Lynn. Ça va, ma cou. Là, moi. Dans genre, je lève la main délicatement, enfin, lentement, et je fais. Et un médecin à côté qui explique que c'est miraculeux, ça n'a touché aucun organe artère et c'est ressorti de l'autre côté. Et puis. Ah bah ouais, c'est une trafle à quatre feuilles en fait. Donc. Non mais au Cops on fait des miracles. Je dis clairement, si c'est juste aller reprendre le boulot, comment ça s'appelle, aller faire de l'administratif, il peut, pas demain mais après-demain. Par contre, si c'est crapahuter et faire le cacou dans les roues, ça sera pas avant lundi. Bah voilà, bah t'as gagné une semaine au calme. Hein. On est quel jour de la semaine là? Vendredi. Oh, ça va. Enfin, c'était la nuit de vendredi à samedi, donc vous êtes samedi quoi. Ça va. J'avoue que c'est pas très réaliste, mais c'est pour que le garder en course pour le jeu. Hein. Non, mais c'était parce qu'il le bourre d'amphétamine et trucs comme ça. Vous pouvez dire, je le ferai pas assez souvent. Hein. Peut-être qu'en fait, c'est un robot. Mmh. Oui, bien sûr, tu veux voir le, tu veux voir le trou. Ça se défend, tranche-lui la gorge, voir si ça. Donc, dans un hôpital, tu regagnes entre 2 à 12 points selon l'hôpital et la qualité des soins. Ici, tu sais 12 points. Et après, tu gagnes un point de vie tous les deux jours. D'accord. Donc là, j'en gagne 12. Ouais. Youpi, ça me fait monter à 30 sur 43. Eh bah, tu vas récupérer tout doucement. Hein. Voilà. Ouais. Techniquement, t'es pas spécialement en état non plus. Hein. Je pense que je peux faire une croix sur mon sport. Bon, Lynn, si tu veux rentrer faire des trucs au commissariat, tu t'hésites pas. Moi, je vais rester un peu avec notre grand blessé. Affirme. Ok. Ouais, mais alors du coup, il aurait peut-être fallu que tu me déposes avant, en fait. Le docteur. C'est plus pratique. Au pire, je prends la bagnole et puis moi, je rentrerai à pied. Hein, y a pas de souci. Ok. Oui, j'ai conduit. Et oui, qu'est-ce que tu veux blesser? Je pourrais sortir quand à peu près? J'y réfléchis. Oh, d'ici 12, 15, 12, 18 heures. Bon, en gros, pour le roll call du soir. Hein. Ouais, youpi. Yaou. J'ai pas le droit. Ouais, dors bien. Sleeping Beauty. Tu te prends un bon repos, t'as quand même une veine de cocu, donc. Tu te reposes un max et puis on essaie de te récupérer là-bas. Ouais. Puis, bon, on va peut-être éviter sur le lit d'à côté, il y a un autre mec qui s'est fait blesser aussi par balle et qui lui est sous respirateur. Par le sniper? Ouais, sûrement. Guillermo? Ouais. Je lève la main avec le pouce en l'air. Ouais, moi aussi. Et puis je te lance un regard froid. Bon, attends, t'as vraiment du comme mal, ton voisin? Franchement, t'aurais pu terminer comme l'autre là. Hein. Lui, il est vachement plus mal quand même. Ouais. Par contre, félicitations quand même, hein, parce que si on l'a eu, c'est quand même grâce à...
Je préférais que ça soit moi qui prenne une balle qu'un civil. Même si derrière j'ai quand même des civils qui ont pris. Ah bah, on n'a pas pu arriver tout de suite. Hein. Si on pouvait ouais, empêcher non, mais de c'est pas... faire ça avant, hey, c'est pas de on s'appellerait Pressing et on jouerait dans un film. Pendant ce temps-là, à la télé derrière vous, il y a une vidéo filmée d'un mec qui était là où tu vois comment s'appelle Denis qui court vers le truc. Je vais vous aider et bam, une balle qui le traverse. Eh ben voilà, le cops paye de sa... Et t'as un commentaire du présentateur. Célèbre. Les flics inconscients du danger. Sur les flics inconscients du danger. Bon. Ah bah... Alors, la question c'est... Pourquoi il parle au pluriel? Hein? Si on avait qu'un seul, hein, de flics. Ah bah non, mais clairement, danger, parce qu'il fait un amalgame sur tous les flics. Hein, et particulièrement sur l'unité du cops, qui sont quand même des fumées de première. Guillermo, trouve-moi l'adresse de ce type. Non, t'inquiète, je vais faire mieux. On trouve le nom et puis on lui fout la brigade financière au cul. Ça, ah ouais, les... pas faux. Ça lui sert les pieds. Bon, on passe au roll call du soir ou faites un truc en attendant? Une fois que l'île est partie, une fois que j'ai déconné avec Denis, je vais passer à l'autre aile du bâtiment, comme ça je pourrais voir ma sœur. Elle est assise devant la fenêtre, elle regarde dehors. Super, c'est bizarre, quand je l'ai quittée, elle était assise devant la fenêtre, elle regardait dehors. Oui, mais pas au même endroit. Cool, il y a du mieux. C'est pas mal. Bon, je m'enquière quand même de sa santé sur le personnel soignant, il y a des signes d'amélioration, tu s'attendais à quelque chose? Regarde, ils ont l'air désolés pour toi. Bon, merci, c'est sympa de bombarder le moral comme ça. Courage. Bah, je vais me prendre un tacos et puis je vais le bouffer chez moi. Mon taxi. Lynn. C'est moi. Quoi? Je vais passer au cops, rendre la bagnole, faire vite fait mon rapport sur le sniper. Ouais. Je vais mettre en place le comment on appelle ça, l'avis de recherche pour. Pour Reinhardt, José Reinhardt. Ouais. Bah, t'as déjà tout préparé de mémoire. Hein, donc... Ouais. Et une fois que c'est fait, je vais aller me coucher chez moi. Je prends ma moto et je rentre chez moi à la maison. Ok. Bon, pendant ce temps, ouais, je te demande pas ce que tu fais de ta journée. Hein. Tu regardes le petit respirateur à côté. Bon. Roll call du soir. Bonsoir. Espoir. Si j'arrive 5-10 minutes en retard, on m'en voudra pas. Hein. Roll call du matin. Non, mais alors par contre, fait exceptionnel, au roll call, je vous apporte aux deux autres café et donuts. En même temps, vu la paye. T'as les moyens, toi par... Vu la paye, je peux le faire qu'une fois par mois, donc. Pendant le roll call, tu leur ramènes le café et des donuts devant tout le monde ou tu les mets sur leur bureau à eux? Oh non, je le ramène devant tout le monde. Pas de raison, a priori ils savent que on a fait le truc. Donc... Ah mais c'est simple, hein, tu vas me faire un petit jet d'intimidation pour pas qu'il y en ait qui te tapent dans les donuts. Hein. Ah t'es un ouf toi, tu passes avec un plateau de donuts devant des flics, t'es un grand malade. Hein. C'est pareil que passer avec des poulets en Éthiopie quoi. En intimidation et carrure intimidation, s'il te plaît, ou sans froid intimidation. Carrure ou sans froid, c'est la même chose. Je sais. Alors, c'est majuscule. Par contre, intimidation, je pense que j'avais pris un peu plus. Vite, t'as la vite en intimidation. Ouais, allez, hop, c'est parti. Et pan, j'en fais deux. Et pan, t'as qu'un seul donut qui s'en va. Ouais. Parce que c'est Pitbull qui te l'a bouffé, qui l'a pris. Bah oui, c'est ouais, normal. Mais c'est Pitbull forcément, donc je vais pas le prendre là-dessus. Comme ça, bah, j'en offre un à Lynn et je donnerai l'autre à Denis, et puis moi je me concentrerai de mon café, c'est tout. Et je relance un regard noir à Pitbull. Lui, il te regarde même pas. Comme tu m'étonnes. Non, parce que c'est pour ce culot de noces gratuit que tu viens de lui offrir. Je souffle à Lynn que c'est certainement lui la taupe du Ku Klux Klan. Mais non. Alors, bah la top je la connais. Mec du Ku Klux Klan, je crois pas. Hein, mais bon. La top je la connais. Oui. Bon, roll call.
Donc, Todd Hawkins rentre. Il est accompagné par deux autres personnes. Ah, ça, c'est nouveau. Alors, à côté de lui, il y a un espèce de petit jeune d'une vingtaine d'années, habillé en étudiant avec son sac et tout. Et il y a une autre personne que je laisse décrire à Cocoon, qui se décrive. Question, je suis en civil, là, du coup, avant de venir, ou je suis déjà en uniforme, là ? T'as récupéré tes affaires de cops, après, à toi de voir si tu t'es changé au casier ou pas. Pour l'instant, vu que j'ai pas encore pris mes fonctions, là, si ? Ah, si, si. D'accord. Bon, je me suis mis en uniforme, du coup, uniforme standard, quoi, pour coller au truc. Donc, tu remarques que je sais pas, c'est pour les trois qui sont là, ils sont en uniforme, vous êtes en uniforme ou pas, les... Hobbit, Plomb et Wedge. Dean, Guillermo. Peu probable, je dirais, pour moi. Ouais, si, moi j'ai en uniforme. J'ai okay. Au moins le t-shirt. Oui, je pense que j'ai un truc comme ça aussi, mais. Non. C'est vrai que non, Big Ops and Pride of It. Si, c'est tiré mon t-shirt. Non, mais je parle à Cocoon. Ah oui. Donc tu disais ? Je t'ai pas bien entendu. Qui ? Toi. Je disais, je t'ai pas fait tirer encore au hasard ton t-shirt, c'est tout. Eh ben, on fera ça après si tu veux. Ça te dégage. Grosso modo, juste au niveau de la gueule, donc attends, que je ressorte le truc. Tac, donc vous voyez donc du coup un mec arrivé en fin de vingtaine, donc début trentaine, genre 29, 30. Alors, et par rapport à certains, ouais, j'ai cru comprendre, ouais. Techniquement, il fait dans les 1m85, 72 kg, donc voilà, quand même assez fin. Cheveux noirs, yeux verts. Au niveau de la stature du coup qu'il a devant vous, vous voyez que voilà, il a quand même assez l'habitude, on va dire, des réunions un petit peu officielles, quoi. Donc il se tient droit. Enfin, il raide comme un militaire. Un peu dans le genre, ouais, voilà, c'est ça. C'est voilà, la position militaire standard, vraiment par réflexe, pas pour essayer de faire impressionner la galerie, juste parce que c'est son habitude. Ok. Y a Thomas qui demande pourquoi il y a une bidasse parmi nous. Une bidasse. D'accord. Donc j'écarquille très légèrement les yeux et puis je reprends la position normale. Du coup, juste parce que je comprends pas et puis je vais essayer d'éviter d'avoir des grands yeux hésitants. Elle se met en position classique du repos, à savoir jambes écartées, les mains croisées derrière le dos. Hey, Guillermo. Guillermo, ouais. On a un balai dans le cul en face de nous. Bon, messieurs. On va commencer. Je vais vous présenter mes deux personnes qui sont avec moi ce soir. Donc on va commencer par votre nouveau collègue, à savoir Christopher Atkins, qui vient d'entrer à l'unité du COPS et qui est dans l'équipe Alpha comme vous, et qui sera donc le geek du coin. Un problème, Guillermo ? Non, absolument rien. Donc... Il sera en duo avec notre éclopé du moment, à savoir Denis. Ah, l'éclopé ! Je suis opérationnel lundi, monsieur. Oui, en attendant, tu fais des bulles de sang. Donc, Non ! Donc, Christopher, tu es avec Denis, là-bas. Fais en sorte qu'il se prenne des balles de sniper prochainement, ça serait bien. Ça, c'est vache, monsieur. Monsieur, je vous... Oui, mais moi, j'ai besoin d'avoir des cops actifs et pas à l'hôpital. Et encore moins mort. Et je suis pas mort. Oui. Je rappelle que ce service, quand même, détient le record du nombre de morts et de blessés du LAPD. Hein. C'est pour rentrer dans les statistiques, monsieur. Oui, et il y a aussi la statistique qui dit qu'on a le meilleur taux d'encre résolu. Et pour l'instant, de votre côté, c'est pas encore ça, hein. Il faut 48 heures, monsieur. Donc, vous restez sur les enquêtes que vous avez d'habitude, hein, vous quatre là. Hein. Ok. Et donc, oui, je vous présente notre. Comment dire ? Notre stagiaire. C'est pas mal comme. Qui c'est qui rigole ? Un stagiaire. Oh. Attends, c'est de moi que tu parles ? Je pense que c'est toute la salle qui rigole là, mais bon. C'est... Non, tu te présentes comme stagiaire là ? Ah non, c'est pas toi. Donc Alan Granger. Donc Alan Granger, c'est simple. Actuellement, il est à l'académie de police et il a décidé de faire un stage au COPS. Mais il est fou ? T'es complètement
Je pense qu'il y en a un qui va retourner vite à l'hôpital dans l'aile psychiatrique s'il continue à l'ouvrir. Oui, monsieur. Donc, Alan va pour l'instant rester quelques semaines d'abord au commissariat. Et quand on estimera qu'il sera prêt, vous pourrez l'emmener, certains d'entre vous, en patrouille. Par contre, je rappelle que même si il est à l'académie de police, c'est-à-dire qu'il s'est tiré, il connaît les bases, il n'a pas le droit d'avoir une arme à feu. Et donc, il n'en a pas. Ouais, grosso modo, je chuchote à Lynn qu'on va faire du babysitting, ça va vachement nous aider, ça. Donc, pour l'instant, ces prochaines semaines, il va rester... Il va rester... Attends, le ouais. Stagiaire, il va venir avec nous, là ? Non. Non, je pense que pour le moment, ça va être moi qui vais faire la surveillance, youpi. Hein ? Reste aussi, hein, donc... Oui, bah clairement, les deux personnes qui vont être responsables du stagiaire, justement. Donc, alors que je me trompe pas dans les noms, donc bah il y a Denis, bien sûr. Et mm-hmm. Avec Denis, parce que tu seras pas tout seul, parce que ça va pas durer non plus trois plombes. Je crois que c'est Padré, je crois. Tac, tac, ouais, c'est Padré qui va, la... qui va être avec Padré. Lui. Okay. À savoir, Pior Solo, Padré. Ancien prêtre homosexuel qui est au corps. Ok. Il faut que le petit jeune fasse gaffe à ses fesses. C'était facile, mais bon, fallait bien le faire. Guillermo. Je sais. Bon, je pense qu'il y en a qui n'ont pas assez d'enquête, qui sont pas assez occupés ici. Hein. On peut disposer, monsieur. C'est un moyen de décompresser après ce qui s'est passé. Au fil de recall, bon, il continue à distribuer les enquêtes, il donne quelques conseils avisés aux autres, il engueule Pitbull pour la forme. Ah, ça fait plaisir. Et surtout, il fait une annonce importante. Très importante, la plus importante du COPS depuis que vous êtes rentré. La machine à café de la salle de repos a été changée. Ouais. Et il fait cette recommandation aussi très importante qu'il aimerait bien que Pitbull et Sniper évitent de la défoncer comme la dernière fois. Parce que ça fait quand même 6 mois qu'elle était un peu en rade en fait. Et la meilleure nouvelle dans ça, c'est qu'elle fait un meilleur café que celle de son bureau. Bah c'est double bonne nouvelle. Donc voilà. Donc prenez-en soin. Je compte sur donc sur bon tuyau donc sur Arnold pour l'entretenir. Maintenant messieurs, vous pouvez disposer. Ok. Bah en fait, ça avait vraiment le coup que je me casse le cul à vous ramener des cafés Starbucks alors qu'il y avait une nouvelle cafetière qui venait d'arriver quoi. En même temps, tu pouvais pas savoir. Ah non, forcément. Mais bon. En fait, ça fait deux bonnes nouvelles. Au fait, Lynn, donc, on a des nouvelles. Juste... Pardon. Juste. Je rappelle pour les joueurs que nous sommes samedi 1er juin 2030. Voilà. Ah. C'est juste parce que pour l'instant, on n'avait pas situé la date et je vous le dis. On est le samedi 1er juin 2030, c'est la nuit de samedi à dimanche. Et à partir du 3, je vais juste expliquer un truc technique, c'est que vous n'allez pas faire la nuit de dimanche à lundi parce qu'à partir du 3, je même si j'avais dit le contraire la dernière fois, vous allez repasser en service de jour. À savoir l'après-midi. Mm-hmm. Vous allez revoir le soleil, c'est cool. Ouais! Génial! Ah, c'est majuscule! On va dormir tranquillement. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, Lynn, on a des nouvelles de la demande de recherche sur notre ami José Renard? Non, je vais regarder ça tout de suite. Tout de suite. De toute façon, moi je dois avoir une pile de dossiers sur mon bureau. Parce que j'ai l'impression que plus on attend et moins on le trouvera, plus il y a des chances qu'il soit déjà fait dessouder, mais bon. Ok. Ouais. Moi donc, je dis il est dans le désert. On va commencer par le bureau de Lynn. Ouais. Donc les rapports que alors sur José Reinhardt, bah c'est simple, hein. Ah, il y a un rapport, a priori il a été trouvé. Ah oh, mais c'est la journée des bonnes nouvelles. Ouais, c'est pas déchiqueté en morceaux dans Norwalk, bouffé par des chiens. Non, aurait pu être la journée des bonnes nouvelles. Ah oui. A priori, quand tu regardes, il est à la morgue actuellement. Sa date de décès est estimée à peu près alors là, j'ai plus les dates en tête, donc c'est à peu près. Au moment où il a abandonné le. Après le... la date, après le cambriolage, quoi. Oh. Donc en fait, il a abandonné le camion et il s'est fait tuer. Il s'est fait bouffer par les chiens, ouais.
Ou alors on l'a lâché dehors et les chiens l'ont Soit, pour l'instant, rien ne permet de dire si c'est les chiens qui l'ont tué. Ils sont en train de voir, en fait, les analystes sont en train de voir si c'est les chiens en fait qui l'ont tué ou s'il a été tué et laissé aux chiens, et quoi. bouffé par les chiens, ouais. C'est ça. Tu auras la réponse en cours de soirée. Bon, qui va annoncer à sa D'accord. petite amie que... Eh ben, je vais y aller, je pense, Il n'y aura jamais de mariage. L'emmerdant, c'est qu'on est un peu niqué pour régler l'affaire, là, parce que le tueur en série, enfin, le tueur qui les a tous dézingués, il s'est envolé, quoi, là, on n'a plus aucune piste, quoi. Si on a raté quelque chose. Alors, on peut se la jouer fringe, en fait. Peut-être que la dernière image qu'il est sur sa Non, rétine, c'est non, la visage du... non. Ça se Bon, trouve, c'est vas-y, un ça va chien, être un. et là, tu vas être bien dégoûté, quoi. Ouais, c'était bon. Ça valait le coup Ouais, d'essayer. mais bon. S'il s'était battu comme un homme, il aurait pas à mourir comme un chien. C'est la pire oraison funèbre que j'ai jamais entendue, ça, mais bon. Ça sera marqué sur sa tombe. Bon. Donc Lynn serait plus à partir sur. Comment s'appelle? Par contre, j'ai entendu plein de ding partout, donc je sais pas ce qui passe. Cocoon, si tu veux changer ton pseudo pour mettre le nom Et de ton Cocoon, personnage. n'hésite pas à le dire en fait en public parce que là t'es à côté d'eux, ils sont en train de parler d'enquête et juste si t'arrives pas à suivre, dis-le quoi. Ouais, non, c'est C'est justement roleplay ce. pour le coup. D'accord, parce que je les entends parler à côté, du coup, moi j'essaye de suivre, mais c'est un petit peu compliqué, je regarde Oui, en mais silence pour justement, l'instant. n'hésite pas à leur dire, mais vous parlez de quoi quoi, Oui. faut pas hésiter hein. Donc, du D'accord. coup. Excusez-moi, messieurs, vous pourriez m'expliquer ce qui s'est passé, parce que là, du coup, je sais pas si vous vous rappelez, je viens d'arriver. J'aimerais bien Eh voir ben. votre maître jus un peu. Eh Oui, ben tiens, maître, tu sais je te qu'on a la donne. version Pas courte tout le monde en même pour. temps. Non, 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 non. Je te donne les dossiers, tu peux étudier ça, et puis on en reparle quand t'as fini, d'accord? L'enculé. Un petit débrief en Clairement. route, ça peut être bon, par contre. Bon, alors, je te fais le débriefing rapidement, alors. Merci. Lynn, ma collègue que tu vois là, et mon coéquipière, enquête sur un quintuple meurtre qui a eu lieu dans le bâtiment White Power 88, qui est un bâtiment qui était loué par le Ku Klux La Klan. folle! Par le cul, je pense, Ouais. c'est ça? Ouais. D'accord. Oui. Des gens Sert plus de chaîne de sympas que nous. télévision. Genre de tu qui m'aime bien, c'est moi qui suis un peu latinos basané, etc. Ouais, je me doute, ouais. Alors, grosso modo, les cinq personnes qui sont mortes, donc il y a le gardien du bâtiment, le pauvre, qui a priori était pour rien. Alors, si les Deuxième. cadavres ambulants pouvaient agoniser en silence, par contre. Oui. Pardon, excusez-moi. Et les quatre autres sont en fait quatre mercenaires qui ont pénétré dans le bâtiment. Alors quand on est mercenaire, tu avais un spécialiste en explosifs, tu avais une tueuse professionnelle, tu avais un hacker professionnel. Et ils faisaient partie du Deux hackers KKK ou professionnels. c'était des externes? Non, 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 c'était des non, non, externes a priori. eux Ils c'est les rentrent dans le cambrioleurs en fait. bâtiment. Ah, des Ils cambrioleurs, rentrent dans le d'accord. bâtiment avec un cinquième. Et on les a vus sur une vidéo. En fait, ils ont été déposés par une camionnette qui était conduite par un type qu'on a Alors, pu identifier après comme étant Joseph Renard. techniquement, d'accord. José. rien, si on compare juste vos Oui. preuves, techniquement, José aurait pu très bien être avec eux et que ça soit quelqu'un d'autre qui conduise la camionnette. Hein. Wow. Il n'y a qu'une seule vidéo où vous êtes sûr qu'il y a 5 personnes et le Voilà. reste, à chaque fois, niet. Ouais, sauf que Ouais. franchement, le faisceau de présomption fait que José a l'air plus d'être un cave qu'autre chose. Et que, bon, les quatre personnes, enfin, les cinq personnes qui sont rentrées ont buté le gardien. Et apparemment, le cinquième a buté les quatre autres, mais d'un coup, D'accord. quoi. Et de manière nette Sans et raison forte, quoi. apparente, juste voilà, il s'est rebellé contre eux. Non, non, même pas sans raison apparente. Non, Alors, il avait préparé son coup, je il pense. préparait son coup, il les a eus alors qu'apparemment lui il était tout De dos. derrière, il les a tous eus d'un coup, Dans le dos, quoi. pas loin, Mmh. et il les a bien achevés comme il fallait pour qu'ils soient bien morts. Et tout Ouais. ce qu'on a vu, c'est qu'il s'est enfin, il s'est barré avec une mallette Présente dans le bâtiment. présente dans le bâtiment, dont on a Un appris plus ordinateur en tard fait. qu'elle devait contenir la liste des membres du Ku Klux Klan. Voilà, Ok. le genre de truc, les membres n'aiment pas savoir dans la nature. Alors c'est marrant, mais j'ai pas l'impression que ce soit un cambriolage fait pour la bonne cause. Je me trompe? Bah, on sait pas trop, mais bon, tout ce qu'on Ouais. sait, c'est que
sont arrivés dans une camionnette de couleur noire style Californian L4. Forcément, il y a 5 personnes qui en descendent, donc il doit bien y avoir un sixième qui doit être dans le coin. Et la camionnette en question. Il y en a 4. Non, non, il y en a 4 qui sont descendus de la camionnette. 5. Hein. Il y a 4 tués en plus, le 5ème c'est le gardien. Ah, moi il me semblait que le 5ème on n'était pas sûr qu'il était avec eux dans la camionnette, mais ok. Et la fameuse Californian L4 noire, on l'a retrouvée dans. Comment s'appelle déjà la zone l'équivalent de la zone de combat au niveau cyberpunk, donc un machin totalement abandonné où même les chiens sont en bande et c'est pas complètement abandonné, hein. Il y a des entreprises qui travaillent, il y a des habitants, mais il y a des parties qui sont complètement à l'abandon et dans un état de décomposition qui ferait peur à n'importe quel écologiste. Ouais, c'est un wasteland, quoi. Exactement. Dans lequel t'as des hordes de chiens errants qui, quand ils ont trop faim, se décident que l'humain c'est pas mal, quoi. Oui, bah des sauvages, quoi. Ouais, une fois qu'ils ont trop faim, oui. D'accord, très bien. Donc, donc nous on enquête sur ce truc-là. Voilà, la camionnette, elle appartenait à José Reinhardt. Le fait qu'on est son nom. Et on s'est dit que, étant donné qu'ils sont arrivés à 6 et qu'il y en a 4 qui ont trouvé morts. Et ben, il y en a forcément 2 qui sont là, à savoir le chauffeur et le tueur. Et donc, vu le profil de Reinhardt, qui je te dis a l'air d'être un type qui bossait avant à l'aéroport, qui s'est fait virer parce qu'il piquait des trucs. Par vengeance, peut-être Non. Le mec qui a fait ça, c'est un professionnel de la gâchette, et l'autre, c'est un tout sauf un cave, quoi. Donc, on s'est dit que lui, il avait peut-être vu la gueule du tueur et qu'il pourrait nous aider à l'identifier. Surtout que le tueur, apparemment, il fait les choses bien, quoi. C'est-à-dire qu'il laisse pas de traces, pas d'empreintes, il évite les caméras, enfin bref, on a dû le trouver. Il connaît le type, il connaît le milieu, quoi. Ouais, c'est voilà. Un connard, ça. Et donc, le fait qu'on vienne de retrouver José Reinhardt en petits morceaux... Ouais, on a éliminé le témoin gênant, donc. Ouais. Et ça va nous poser un problème pour... On l'a retrouvé dans quelles conditions au niveau du rapport, du coup? Qu'est-ce qu'il dit le rapport par rapport à ça? Vas-y, Lynn. Attends, 2 secondes, j'ai juste eu un moment... Une épiphanie. Voilà, une épiphanie, voilà. C'est que, de toute façon, les 4 qui sont morts, ils se connaissaient, c'était des anciens militaires, c'est ça, de mémoire? Donc, c'était des mercenaires, genre de mecs que tu engages. Ouais. Alors, ils se connaissaient pas forcément. Alors... En tout cas, ils étaient tous dans le même business, quoi. Oui. Donc, résultat avec des courses. Avec des spécialités bien précises, il y avait un hacker, il y avait une tueuse, il y avait un mec en explosif, etc. Mais en tout cas, ils étaient tous dans le même business, des mercenaires. Oui, mais est-ce que dans leur passé, ils se sont pas déjà croisés, quoi? Alors, vu que vous avez fait des recherches, peut-être sur un front commun, mais vous en êtes même pas sûr, parce que bon, le truc c'est que le mercenaire il laisse pas forcément la petite carte de visite, quoi. Alors... Ouais, c'est ça. Généralement, c'est le genre de truc où ils arrivent, il faut leur truc qu'ils se cassent en effaçant les empreintes. Oui, je suis d'accord, mais je parle de comment, parce qu'ils se sont entraînés militairement ou des conneries comme ça, donc ils sont pas tous de la même nationalité de base. Non, ils étaient pas tous de la même nationalité pour le coup. Non, il y avait une américaine, un sud-africain, ouais, je etc. Mais... Donc il y a. Non, la piste a été explorée et. Ouais, on aurait pu. Et pas concluante pour le coup. Donc le mec qui a planifié tout ça est vraiment motivé. On aurait pu essayer de regrouper un peu plus. Bah, je pense que le mec a tué tout le monde pour gagner l'argent, quoi. C'est qu'ils ont été payés pour faire un contrat. Une fois que le contrat a été fait, le mec a désingué toute son équipe et comme ça, il embauche toute la somme, quoi. Ou alors c'est lui qui a embauché tout le monde et il a buté tout le monde pour pas avoir de témoins sur les bras et de pas avoir versé d'argent. Oui, d'accord, mais... C'est possible, c'est une théorie. Je pense pas qu'un un militaire aussi capable ça s'intéresse vraiment au Ku Klux Klan pour une raison quelconque, quoi. Voilà. Moi, je pense qu'il a eu l'information disant que la liste était à disposition sur un support informatique,
Il a essayé de la récupérer pour faire chanter les autres et monnayer ça au prix fort. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est ça, moi je pense que un militaire récupérer la carte, enfin la liste des membres, il en a rien à foutre. C'est un politicien ou quelqu'un de haut placé qui a payé des gens pour le faire. Voilà, ça me semble plus logique, quoi. Et le mec derrière, il va récupérer ça, il va faire chanter des gens pour que les gens se retirent de la candidature, ou il va accuser des gens d'être. D'être du Ku Klux Klan et pouf pouf, voilà quoi. Ou tout comme on monnayait des faveurs ou de la thune ou des choses comme oui, ça, justement aussi, en échange de son silence, tout bêtement. Tout à fait. Parce que la pression avec un truc comme ça, il n'y a pas le moyen de faire des choses, enfin il y a moyen de faire des dégâts. Justement, si c'est un truc purement politique, c'est le mec se retire pardon, et se désiste à l'avantage d'un autre en disant si c'est quelqu'un de bien. Il y a maintes et maintes façons de toute façon d'utiliser cette liste. Hein, ah oui, clairement. Complètement. Donc, voilà. Malheureusement, il y a tellement que c'est trop dur de savoir qui en aurait besoin pour faire quoi. Quoi. Mais du coup, le rapport, du coup, comment il est mort le fameux Reynald, c'est ça? Reynard. Il est mort où et comment? Ah, c'est ce qu'on a bouffé aujourd'hui. Par des chiens. Bouffé par des chiens dans un quartier et je suppose qu'en fait il a abandonné le véhicule dans ce quartier, que c'était peut-être le truc prévu, soit parce que j'ai pas regardé, est-ce que le véhicule avait encore beaucoup d'essence quand on l'a quand il y avait de l'essence encore dedans. Ouais, donc ça devait être plus ou moins d'accord. Prévu quoi. Par contre, donc, il était totalement piégé, c'est-à-dire que le service de déminage est passé avant parce que tu faisais pas gaffe et t'ouvrais les portes en grand, il te pétait à la gueule quoi. Ah, c'est même plus que ça, c'est je te rappelle qu'il y avait de la thermite, c'est-à-dire il pétait, il brûlait. Hein, oui, c'est ça. Donc, il fondait, je vais même dire. Le van fondait? Bah, ouais, la thermite quoi. Ah, d'accord. Comme du magnésium en fusion, un truc sympa. Je vois le genre, ouais. Et c'était comme le bâtiment en fait, le bâtiment du Cucustan qui a été infiltré a été piégé aussi pour qu'il y ait un maximum de dégâts au moment où les flics arrivaient ou les secours ou n'importe quoi. Alors, je vais vous demander, là, pour le coup, de me faire un petit jet de psychologie-éducation. Éducation ouais. Quand vous êtes en train de revoir tout avec lui, regarder tout le dossier, vous faites un petit jet de psychologie-éducation. Les concrètement, moi, donc éducation, tu lances ton D4, mais après avec psychologie, du coup, bah de toute façon, moi j'ai rien, j'ai pas quoi, des psychologies, je crois. C'est 9, je crois. Attends, je vérifie. De base, normalement, t'as quand même non, un j'ai stat. Rien. Hein. Ah, j'ai rien psycho, okay. Moi, normalement. Bah, tu le lances ou. Bah, sous. Bah, je lance mon D4 en fait. Un D4 plus un D10. Ah, c'est un point d'interrogation, C majuscule. Exclamation. Un point d'exclamation, le nombre la caractéristique, C majuscule, et après la compétence. C'est-à-dire, si t'as rien, rien tu en compétence, c'est 10, c'est ça? Je crois, je suis pas sûr, je l'ai pas non, le, sûr. Faut... C'est 10 ou 9? Pas loin, mais faut enlever le premier C, en fait. Non, je crois que c'est 9, c'est pas 10, c'est 9. Ouais, c'est 9, je crois. On va checker si c'est marqué dans les... Voilà, tu as fait 0 succès. Et ben moi, j'ai fait 0 itou. Juste pour t'expliquer, en fait, le C majuscule, c'est un raccourci de la commande, en fait, pour faire les jets. Hein. Parce que normalement, en fait, tu lances autant de D10 que t'as ta caractéristique, et tu prends les jets qui sont au-dessus de ta compétence. Ouais, et là, apparemment, ça trie automatiquement. Voilà, c'est voilà. Ça trie automatiquement et ça te dit combien t'as fait de succès directement. Bon, bah pour l'instant, c'est pas top. Hein. Non, si non, ça, 10, c'est. Alors, y a pas de tri, hein. Y a pas de tri. Y a juste que ça permet de déterminer si oui ou non c'est un succès. Et il l'affiche en rouge si c'est un succès. Et il y a aussi la possibilité que le 10 explose. C'est oui, que moi, derrière, ouais. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai fait un 10 et que ça fait un 9. Joli, joli. Putain, ça c'est beau ça. Combien 10, 19, 7. Ah ouais. Ah là, Denis, je sais pas si c'est la balle qui lui a remis les idées en place, mais alors là. Je crois que ça doit être le ça. Tu devrais te faire trouer la peau plus souvent, mon gars. Donc, ils ont pas un shotgun à l'armurerie. En fait, en comparant à la fois les explosifs, la position des explosifs et les bios des mercenaires, clairement, ce qui t'apparaît assez évident, c'est que le mec, le mineur du truc, c'est que vu ses anciennes opérations, c'est un cinglé de la bombe. Le mec, il a l'air de poser, il s'est fait toper parce qu'il pose trop de bombes en fait. Dans tous les contrats qu'il a fait, il a tendance à mettre des bombes partout. On avait déjà remarqué que... Oui, mais sauf qu'en fait... Bah, en fait ça serait plus sa signature qu'une commande, en fait, hein, de mettre des d'accord. Bombes partout.
Donc Reynard, c'était un malade du C4 en gros. Non, pas Reynard. Non. Ah, le commanditaire. Alors, mets-toi bien dans la tête que Reynard, c'était un trou du cul qui s'est fait virer de son boulot et qui a trouvé un petit truc pour se faire beaucoup d'argent. Sauf qu'il s'est fait désinguer. Voilà. Mais garde dans la tête que ça reste un trou du cul. C'est purement une victime. Oui, complètement. C'est un cave. Ok, d'accord. Ouais, mais cave, c'est pas forcément un mot que tout le monde connaît. Ouais. Je veux bien la traduction du mot. C'est un loser. D'accord, merci. De première. Loser n'est pas un mot que tout le monde connaît. Bon, excuse-moi. Et oui, tiens, ça serait pas con d'essayer de voir si on n'aurait pas dans les profils des gens déjà fichés. C'est ça que je vais chercher, justement. Des fondus d'explosifs. Bah, c'est le mec en question, il est mort. Ah! C'est ce que je vous dis. C'est le mineur de l'équipe, le mercenaire de l'équipe qui est mort, a priori, c'est sa signature de poser des explosifs partout. D'accord. Donc il aurait piégé les trucs d'abord. Bah, y avait un expert en explosifs. Ça veut dire qu'en fait, il a tendance à mettre des explosifs partout. Par exemple, les bombes dans le QG du Ku Klux Klan, c'est pas. Il y a des chances que ça ne soit pas une commande du commanditaire, mais plutôt une signature du taré en question. D'accord. Est-ce qu'il ressort très fortement des trois autres, vu le score de Wedge, bah, c'est que a priori, les mecs en question, les quatre mercenaires, ils étaient grillés, quoi. En fait, ils sont tous fondus d'un moment ou à un autre. Ils se sont fait griller, ils ont tous été en tôle. Ça y est, c'est où est-ce que tu veux en venir? C'est qu'il faut chercher un mec qui a tendance à... Non, mais te prends pas la tête avec ce que je veux en venir. Laisse-moi finir. Parce que je donne juste des infos. Je cherche pas à vous donner forcément une piste, Wedge. Hein. Je donne juste des infos supplémentaires que vous avez pas eu jusque-là. C'est tout. Après, c'est pas dit que ça vous ouvre une piste. Donc, ça veut dire que le mec qui les a engagés, c'est un type qui les a récupérés parce que c'était des mecs qui étaient grillés et... Bah, clairement, les quatre, ils ont tous foiré une opération et ils sont tous retrouvés en tôle. Et clairement, a priori, dans ce milieu du mercenariat, ils avaient pas une bonne réputation, les gars. Ouais, donc c'était un suicide squad pur et dur, en fait. Hein, juste une question, ils sont tous retrouvés en tôle, est-ce que c'était la même tôle et est-ce que... Non. Ils sont tous sortis de tôle il y a pas si longtemps que ça, donc ils étaient tous en tôle au même moment, mais pas du tout sur les mêmes continents, hein, pour la plupart. Ouais, bon, ah, même pas sur les mêmes continents? Oui. Ah oui, le sud-africain, il était en Afrique du Sud. C'est pour ça que je pense que le criminel qui les a embauchés est un mec puissant. Ah bah, clairement, oui, parce que s'il est capable de débaucher des mecs un peu losers sur les quatre coins de la planète pour organiser un coup spécial et les faire tous... Alors, la planète est ronde, elle a pas de coin. Ta gueule. L'armurerie à côté, non, ta gueule. Mais voilà. Ouais, alors par contre, ça nous donne pas d'indication sur le fameux tueur, le sixième groupe. Pour essayer de l'identifier, maintenant ça va être chaud avec nos. Est-ce que. Vous êtes en train de parler, il n'y a pas de ré et le. Comment ça s'appelle? Moi j'ai une théorie du complot qui me vient là. Moi j'ai une théorie du complot qui vient. Dis-nous tout. Alors je vais pas la dire devant le stagiaire et l'autre là. Christopher. Non, Christopher, ça va, c'est le stagiaire et l'autre qui vient d'arriver, le padré. Si on vous gêne, on peut partir, j'ai fait le tour du coin, il vous dit. Oui, bah allez-y, de toute façon, on n'a rien à cacher. Je vais expliquer à Padres l'affaire sur quoi on cause, et j'ai demandé au stagiaire s'il a une idée, lui, on sait jamais. Mais non, ça va prendre 3 ans. Mais non, ça va prendre 3 ans, là. Mais c'est bon, explique le truc, moi je vais leur causer à eux, on a parti. De toute façon, il va falloir que je surveille le gamin, donc... Pendant que je suis en train de faire mes dossiers, il peut regarder les dossiers pendant que vous êtes en patrouille ou autre. Parce que moi, ça fait un truc, c'est que ma piste, elle nous mène sur un endroit où on ne doit pas aller. C'est-à-dire que, imaginons, je suis futur candidat à un poste haut placé. Et genre, je suis le procureur de Californie, de Los Angeles. Je sais plus si c'est par état ou par ville. Je recrute des gens, je récupère la liste des membres du Ku Klux Klan parce que j'ai de forts doutes que mon concurrent premier à l'élection en fasse partie. Ouais, et
Et bah, au moment de l'élection, pouf, je lâche le nom, quoi. Et hop, il perd dans les... il baisse dans les sondages, hop, je suis élu. Oui, et tu, tu sors l'affaire crade pour lui faire perdre des points, quoi. Ouais, mais il peut pas te le sortir comme ça, étant donné que... Le cadavre du placard. Bon, sachant que les deux principaux partis sont pas du tout liés au Ku Klux Klan, le procureur, il est plutôt de droite, et le maire actuel, qui est le deuxième parti, qui fait partie du deuxième parti, est de gauche. Et ils sont tous avec des scores entre, de, entre 30 et 20%. Quoi. Oui, mais alors... le mec de gauche aux États-Unis peut tout à fait être au Ku Klux Klan. Hein, oui, non, mais... Tu sais, ça vrai... voilà, si, je veux dire, il peut... oui, c'est comme un prêtre pédophile, c'est le maire je veux dire, actuel, hein, le maire, voilà. Le gars de gauche, hein, c'est. Mais j'ai compris, je suis pas débile. Non, mais c'est juste que. Je resitue pour tout le monde, c'est tout. Il peut tout à fait jouer un faux jeu, c'est-à-dire que. Ça peut être quelqu'un d'ambitieux qui a gagné son parti et qui est de gauche pour avoir le soutien d'un parti et pour être élu, mais qu'en réalité il a des idées qui sont totalement autres. Et c'est pareil pour le mec de droite. Et donc, du coup, je dis que c'est pas impossible, point. Lynn. Oui, c'est offert. Question, est-ce que vous avez eu accès à cette liste, ou enfin avec une copie de la liste ou non. Pas non. Non, justement, on l'a pas du tout. Parce qu'un truc qui aurait pu être intéressant, c'est de voir les pontifs, on va dire, du KKK, enfin du bâtiment, pour voir si justement eux, ils ont déjà une petite liste perso d'ennemis. Alors, on l'a fait. À mon avis, ils vont. Ah ouais, d'accord, dis-moi. Alors, le truc, c'est que, en gros, chose qu'on t'a pas dit, c'est que le procureur de la République, enfin de Californie, le mec hyper badass, est venu nous dire que l'enquête, on pouvait continuer pour trouver le meurtrier, mais que. On était en train de ramasser des indices pour aller inculper les gens du Ku Klux Klan qui se mêlaient un peu trop de notre enquête. Tout, c'est la société de sécurité. Et la société de sécurité qui était en charge de la sécurité du bâtiment, qui se mêlait un peu de nos affaires. Et donc du coup, on commençait à grappiller pour remonter vers le Ku Klux Klan. Et là, pam, on s'est pris un coup derrière la nuque en disant « Vous n'avez pas vous mêler de ça, enquêtez que sur l'affaire de meurtre. » Exactement, il y a eu négociation avec votre chef, le procureur, etc. Et on vous a déchargé de l'affaire au détriment d'un autre secteur du LAPD. Sûrement l'archive. Ouais. Donc on a coupé l'accès à l'information par rapport à cette voie-là, quoi. Clairement. C'est pas qu'on vous a coupé l'information, c'est qu'on vous a dit que c'est une autre équipe qui va continuer l'enquête, sachant qu'elle était quasiment bouclée, l'enquête en question. Oh, mais bon. Mm-hmm. Sauf qu'on n'a pas le tueur, quoi. C'est le simple petit détail. Non, mais la partie sur Security 3000... Oui, Security 3000, l'autre, il y a le patron de Security 3000. Il est en taule, là. Qu'il a été, il est en taule Oui. Menacé, donc il envoie tout sur ce à mon avis les membres du KKK. D'accord. Quand on est venu le voir pour l'interroger, t'avais un mannequin en paille qui cramait sur une croix juste devant chez lui, quoi. Donc il a pas intérêt à parler de ce qui se passe chez eux, quoi, en gros, quoi. Ah bah c'est encore mieux. Il s'est dénoncé. Il a dit que tout était de sa faute. C'est lui qui prenait tout sur la. Ah ouais, d'accord. C'est vrai, toi. Grosse pression sur sa gueule. L'enquête quoi. Est terminée parce que c'est lui qui avoue tout, quoi. Ouais, mais est-ce que vous êtes allé le revoir, le gars, derrière, en privé, histoire de voir la vraie version, quitte à mettre de meilleurs mots. Ils ont essayé. On a essayé, mais il a une nana qui est un peu conne, et il a surtout des enfants, et je pense que sa famille, quoi, donc voilà. Ouais. Si à protection des témoins, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de le faire cracher le morceau grâce à ça? Le truc, c'est que la protection des témoins, c'est qu'il faut qu'il accepte de témoigner. Or, il s'est dit à charge de tous les crimes, en fait, et il dit que personne d'autre est responsable. Ouais, mais si on lui assure de la protection, on l'a fait. On a passé toute une partie à essayer de le convaincre de nous dire la vérité et d'arrêter de se dénoncer. À partir de là, on peut pas espérer de grand chose de plus. Les autres ont été très persuasifs. Très persuasifs, ouais, je me doute. Ouais. Donc du coup, on n'a pas accès du coup à ces infos-là. Enfin, qui pourrait qui comme membre du Ku Klux Klan pourrait avoir des ennemis qui essaieraient, etc. On n'a pas la source avec les, on n'a pas les informations du chef de la sécurité et on a le seul témoin potentiel qui s'est fait canner la gueule. C'est ça. Ouais. On est mal parti. Là, l'enquête, elle est quasiment au point mort, hein. Mais en même temps, c'est pas grave. On est en train de tirer. Le seul élément qu'on espérait, c'était pouvoir récupérer José pour avoir les informations. Mais on sait qu'on n'aura pas les infos. On s'achève, et en canette. Il y a peut-être des traces. Il est complètement cramé, le José, ou est-ce qu'il a encore quelque chose à tirer de lui? Tu peux en faire la pâtée pour chien. Ouais, il reste des bouts, ouais.
Ouais, parce que du coup, aux alentours de la scène du crime, il y a peut-être pu avoir des... Oh, attends, deux secondes. Ah, juste une question. Comment on sait que c'est José? Il a été retrouvé il y a un certain temps. Il a été identifié en temps après. Par ADN, donc, du coup. Okay. Par les empreintes dentaires. Par ouais, ça va être plus les empreintes dentaires à ce niveau-là. D'accord, ok. Et il n'y a aucun indice sur les alentours, enfin, les traces d'ADN, quoi. Enfin, je veux dire qu'il n'y aura rien à foutre là. Enfin, est-ce qu'on peut identifier les chiens? Le truc, c'est que c'était il y a 2-3 jours, vous avez l'endroit où ça a été trouvé. Ah, mais les pistes ont été trouvées. Et un rapport de police sur le truc. Il faudra peut-être aller directement. Je vais demander un rapport d'autopsie, moi, pour lui. Parce que je sais pas si l'autopsie a été automatique ou pas. Mais c'est ce que je te disais, il y a juste la cause de la mort qui est encore à déterminer. Ouais, mais officiellement, mais comme c'était je dis, le chien, je vais te la donner, quoi. Vu que ça, la partie a avancé un peu, vous êtes en train de parler, la cause de la mort, clairement, a priori, bah, il est mort à cause des chiens. Ouais, il s'est fait bouffer vivant, quoi. Il s'est vidé de son sang. Ouais, d'accord. Tiens, pendant qu'ils sont en train de parler sur le truc de l'enquête du QQXan. Concernant le sniper, est-ce qu'il y a des trucs qui sont arrivés sur mon bureau? Ouais, bah t'as, le rapport, t'as tout le rapport balistique, t'as tous les rapports concernant aussi le nombre de victimes, les familles, etc. Je peux demander quel sniper, parce que j'étais pas au courant de ça. Mettez-vous sur un autre channel, si c'est pour expliquer le sniper, je vais pas... Ok, vas-y. Ok, bah attends, on va bouger sur le channel. Alors du coup, moi je serais tenté d'aller voir... Mais tu... c'est pas Denis qui peut faire ça, non? Parce que j'ai besoin de Guillermo. Quoi? Hein? Je veux aller voir la copine là de José pour lui informer que bah, son José est mort. Est-ce que t'as quelque chose d'important à lui dire ou pas? Parce qu'elle a pas grand chose à dire. Allô. Oui, quelqu'un peut me rejoindre en voiture 2 du coup? Oui, j'arrive. Bah en fait l'idée c'était juste de savoir si elle avait une idée de comment il avait eu affaire à ce coup. Comment il avait attendu qu'il y avait un coup qui se montait, est-ce qu'il a fréquenté un bar particulier pour voir quel est-ce qu'il a fait Greglist, j'en sais rien quoi. Bah, en gros tu lui annonces, je te le ferai en rapide hein, parce que ouais. C'est rien pour le coup. Elle est effondrée, mais elle en sait toujours pas plus quoi que la dernière fois. Elle est même étonnée de toute cette espèce de vie avec des criminels qu'elle était pas au courant quoi. D'accord. Voilà. Mais non, il n'y a rien à tirer hein, pour le coup, malheureusement. À la limite, je donnerai un coup de fil à ses collègues de bureau là qu'on a interviewé la dernière fois pour poser la même question, s'ils avaient une idée de où est-ce qu'ils avaient entendu parler de ce coup qu'ils devaient monter quoi. Par contre, à eux, je leur dis pas qu'il est mort. Hein. Je m'en fous. Ils apprendront plus tard. Hein. Bah même réponse, ils savent pas. Ouais. Alors que le mec il a dit à tout le monde qu'il allait me faire il allait avoir un super coup, ouais. Mais il a dit à personne d'où le coup il vient, tu vois. Ouais, hein, mais oui. C'est cette espèce d'éclair d'intelligence. Ouais. Putain, il a réussi son jour pour faire une réussite critique sur son intelligence, quoi. Putain, le bâtard. Enfin, il a fait aussi un échec critique vu qu'il a dit à tout le monde. Ouais. Et dans son historique, sur son ordinateur ou son portable, il n'y a pas mafia.com ou un truc comme ça, non? Non. Je te rappelle, une bonne partie de son truc informatique a été tirée. Hein. Bah oui. Ah. Mais il a été tiré par les mecs de sécurité de Protect 3000. C'est ça. Ah, bah je vais aller voir le... Et ça va être dur de l'obtenir maintenant. Je vais aller voir le bonjour. Bah, on a fait une perquisition du domicile, mais j'ai une piste potentielle. Dis-nous. Nous. Protect 3000 a volé le PC de José Reinhardt. Ça, on le sait. Ouais. Du coup, on l'a pas récupéré ce PC. Ah, et du coup, ils l'ont volé. Oui, parce qu'il voulait essayer de... A priori, le QQXan voulait penser que c'était Reinhardt qui avait la liste, donc il pensait qu'en retrouvant Reinhardt, ils retrouveraient leur liste. Quoi. Ah, mais s'il faisait partie plus ou moins du... Enfin, attends, il faisait pas partie du groupe de mercenaires, lui. Enfin, parce qu'on... Juste, remplacez-moi, parce que oui, c'est un loser, mais... Alors, le chauffeur. C'était le chauffeur, oui. Comme info. Ah bah, du coup, il a peut-être des éléments, ne serait-ce que des mails ou une connerie comme ça, du coup. Moi, l'idée, c'est que je cherche où est-ce qu'il a entendu parler que le coup allait se monter, et...
potentiellement qui lui en a parlé. Alors, à mon avis, si c'est un pourrait... loser fini, c'est pas lui qui a trouvé le truc, c'est lui qu'on est venu trouver pour le... enfin, en tant que pièce d'échec sacrifiable. Peut-être, mais il a fallu quand même qu'il se montre quelque part pour être vu. Ça peut être dans un bar, ça peut être... Des traces avec des mails ou des trucs comme ça. Attends, enfin, je veux dire... Il y a le stagiaire qui vous met un PC portable sur le bureau. Pav. J'imagine que c'est celui de la personne dont on parle, Renard. Non, mais non. Faux espoir, c'est un miracle. C'était un des PC de la session Alpha. Et dessus, en fait, il y a la boîte mail de José Reinhardt ouverte. Hein? Comment t'as fait ça, petit gars? Je suis un petit peu doué sur l'informatique. Oh, c'est gentil. Comme quoi, ah bah ouais. Chercher, ça c'est bien. Tu veux un café? Je vais te le chercher. Il reste des donuts pour le stagiaire. Bon, du coup, j'hésite. Je le coffre ou pas? Bah écoute, déjà je pense que exploitation. T'as des très bonnes qualités pour devenir cop plus tard. Ça se voit tout de suite, quoi. Hein? Bah du coup, je regarde. Regarde, qu'est-ce qu'il y a dans les mails? Est-ce tu fais le tour de la, le truc, tu me fais un petit jet d'informatique avec une intelligence, éducation. Éducation, ouais, clairement. Oui, c'est bien. Ouais, ça va pas être là toi parce que toi t'es d'éducation. Je l'essaye si tu veux. Non, c'est bon, ça ira. Avec un 3? Ça va aller. Wow, ok, d'accord. J'en ai 6. Hein. Vache, y a trop de rouge sur ce truc. Vache. Alors clairement tu fais le tour des mails, de la boîte, de la poubelle, etc. Ce que tu trouves c'est un mail avec une adresse qui a l'air complètement bidon, qui lui donne en fait tout le rendez-vous, comment s'appelle, le lieu de rendez-vous là pour préparer le casque, quoi. Les box, et qui sera payé la somme convenue. Et que après ça, le mec oubliera le vol. Ah, du chantage, pas bien. Dis donc, petit. Le mec oubliera le vol. Bidon, ah oui. Tu serais capable de remonter, savoir. Je peux essayer, mais je garantis rien. Bah tant qu'il y a un essai déjà, c'est le principe. Il faut que je parle au patron de José Reinhardt. C'était l'aéroport. Parce que le mail dit j'oublierai le vol, donc c'est. Alors vol, c'est pour fly, hein, donc. Pas vol style. J'oublierai le vol. Style vol d'avion, quoi. Vol, pas le vol, j'ai volé quelque chose. J'oublierai le vol. C'est un peu con. Non, mais n'oublie pas qu'il avait pris des billets d'avion pour aller aux îles, je sais plus quoi, avec sa petite amie. Là. Aux Seychelles. Ah, d'accord. Il avait pris un billet pour aller aux Seychelles, et c'était son pote... c'était William... comment il s'appelle? Perry. C'est son pote qui avait pris les billets, mais lui, il voulait y aller avec sa petite amie, si je me souviens bien. Non, il avait demandé à William de prendre qu'un seul billet. Lui, il a fait croire à sa petite amie qu'ils allaient partir, mais William, il en avait... William a pris qu'un seul billet, c'est ça. Je me disais bien qu'il y avait une entourloupe quelque part. Oui, c'est ça. Il a essayé de planter sa petite amie, en fait. Excuse-moi, attendez. Je recite. Excuse-moi. Vol... Attends. Ouais, style vol de voiture, vol, etc. Ouais. Excuse-moi, non, pas flamme. Ah, vrai vol. Je me plante, excuse-moi. Dans le sens dérobé. Ok, donc du coup, il y a quelqu'un d'un peu puissant qui a pas apprécié une petite bague. Bah, moi, ce que je comprends, c'est qu'il a volé un truc à l'aéroport en tant que bagagiste. Il s'est fait choper. Le mec qui s'est fait voler, t'es un mec puissant, avec la thune, et qui a porté plainte, qui a fait du bruit, etc. Donc il a obtenu le licenciement du gars. Derrière. Est-ce qu'on peut savoir du coup qui c'est au niveau des dossiers? C'est ce que je vais faire. C'est bon, c'est qui c'est. Bah justement, ouais, on va peut-être commencer là. Bah je pense qu'il faut aller voir la hiérarchie à l'aéroport pour savoir qui l'a fait. Je pense que ça sera faisable rapidement. Bah si on est donc, on peut pas juste avoir ça dans les archives justement Non. Mais non. S'il y a plainte. S'il y a plainte au commissariat, oui, mais si c'est plaint au service ou à la compagnie, etc., oui, c'est à l'aéroport qu'il faut voir, quoi. Je suis pas sûr qu'il ait porté plainte en...
en vrai quoi. Une discussion face à face parce que tu vois les réactions du type. Ouais, pas faux. Bon, oui. Bah, ok, d'accord. Vendu pour l'aéroport alors. Alors, du coup, qui ouais. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste l'aéroport à aller voir. Le mail, nanana. Est-ce qu'on a dit... d'éplucher la boîte mail et la retracer l'adresse. Ouais. Bah, au pire, Denis qui bouge pas peut rester avec le stagiaire et il nous prévient dès qu'il s'y trouve une voix sur la fameuse adresse bidon. Sachant qu'il a aussi sa propre affaire à s'occuper. Voilà, je oui. Vois la pile là-bas. Voilà. Ça va, stage c'est... café photocop. En plus, t'as de la chance, t'as une nouvelle machine à café en plus, c'est génial ça. Photocops. Comment tu vends du rêve toi au stagiaire, moi... c'est beau. Non, non, mais moi je serais d'avis d'appeler Denis la chance en fait, hein, parce que moi je le trouve sacrément chanceux. Pour moi c'est Target, mais. Ouais. Moi j'imagine un gros doigt d'honneur de Denis en faveur de Guillermo là, mais. C'est ça. Non, plus sur Link Guillermo, mais parce que la chance, ouais, ça, j'en ai eu pas mal. Le Target, plus quoi. Clairement, il n'arrive pas à remonter la boîte mail. Bon, donc c'est un pro. D'accord. Alors la question c'est, est-ce que nous on a des services pour faire ça? Alors légalement. Ouais, sûrement, mais c'est pas dit qu'ils collaborent. Ben je vais faire une demande officielle par le procureur pour qu'il les fasse collaborer. Bah ça prendra un certain temps. Tu vas les forcer à faire, c'est pas cool ça, ça va ralentir. Non mais tu envoies ta demande, ton truc, et bah le jour, un jour tu recevras le rapport. Voilà. Bon. Mon enquête de toute façon sur le sniper, on peut le faire attendre parce que il va plus faire grand chose. Oui. Donc moi je serais d'avis que on aille faire un saut à l'aéroport. À l'axe. À l'axe. Denis, a priori, resterait avec ce stagiaire. Et notre. Le petit. Enfin, le nouveau, là. Christopher. Christopher. Christopher, voilà. Excuse-moi. Alors, bah, pourquoi pas ne pas laisser Christopher avec Denis et qu'ils enquêtent sur leur. Le mec est tombé, là. Le suicidé, falloir. Le mec est tombé. Non, non, ah, ça c'est une autre affaire. Ouais. Alors, pour résumer... Oui, affaire... c'est le problème de COPS, c'est que tu te retrouves avec plein d'affaires en même temps. Et ça y'a pas de soucis, je m'y ferai. Alors, le truc avec cette affaire-là, c'est que... Il y a un donc, corps... Donc, attends, juste une seconde, Wedge. Ouais. Juste une seconde. Donc, je pars du principe que vous partez à l'axe, et je laisse Wedge prendre le relais sur son enquête, parce que bon, il a pas pu faire grand-chose depuis... Voilà. Ah bah... Je te laisse débriefer, tu es laxiste, débriefer sur l'enquête, Wedge, ouf, ouf. Et je ouais. Passe... On va envoyer pour deux avec Cocoon. Ça marche, je te suis. Ouais, je vous rejoins assez rapidement, je vais juste voir une chose. D'accord. Bon, ici. C'est moi. Bon, donc direction l'axe. Ouais. Allô ? Oui, on est toujours là, direction l'axe. Ouais, c'est lui qui conduit. Oh mon dieu. Non, pardon, je me suis tourné. L'Alax. Non. On peut faire l'Alax, ton univers impitoyable. Mais bon, ça serait un peu poussé. Ouais. Donc, pendant ce voyage, on a fait donc véhiculer toutes les conneries possibles imaginables sur l'Alax. Et bah... Je vais vous donner un petit 10-10. Oh putain! Ah bah ouais! Quelqu'un me tire un dessin s'il vous plaît? Allez, vas-y, Lynn! Ah, moi! Ok! Hop. Ouh! 85. C'est un gros G! 85, comme diraient nos amis! Bon bah, 10-18! Oui! Oh putain! Voiture 1! 10-18! Vous êtes à peine sorti du commissariat, 10-18! On a plusieurs bons vietnamiens qui, à l'hôtel de ville, qui sont en train de s'asperger des hanches. Oh putain. Ok. Bon, allez, je vous laisse, je passe sur les autres. A tout de suite. Ça marche. J'espère qu'on a des extincteurs dans la bagnole. Je pense qu'on en a un. Moi, je suppute que... petit coup de tonfa dans la tête pour les faire tomber ou dans les chevilles. Par terre, on les roule. Hop là! Bon, ça fait un peu un rouleau vietnamien. C'est un peu violent, mais je pense que si. C'est le seul moyen de pouvoir. À mon avis, c'est ce qu'il y a de plus efficace, hein. Le mec, tu le fais tomber et après tu le fais rouler. Ouais.
Ouais, et le souci, c'est si y en a un qui a déjà un truc avec une flamme en main, même si tu le fais tomber, il va flamber. Ah mais moi je fais ça. Bah, l'idée c'est que je faisais ça que s'il flambait déjà, hein. L'autre solution, c'est que je fonce dedans, je roule dessus. Ça éteint les flammes. Ouais. Oui. Évidemment, ils sont plus beaucoup en état après. On va récupérer. Je sais pas si on a une couverture de survie dans la bagnole. Mais... Je pense qu'on va prendre une veste ou quoi et il faudra taper dessus avec. Hein, parce que bon, ouais. Alors si on croise un camion de sable, on peut le réquisitionner pour le déverser sur les bronzes. On dira dans ce cas-là, ouais. Il meurt étouffé, il meurt pas brûlé. C'est pas mieux. Ils sont plus reconnaissables. Je pense. Parce qu'un mec étouffé, quand même, à part qu'il a un peu un teint bleu, ça va, il est reconnaissable. Alors que le mec cramé, bon. Alors, pour étouffer, il a beaucoup maigri, quoi. Ou tu empêches l'oxygène d'arriver à la flamme et ça éteint la flamme, ou tu retires l'oxygène et ça éteint la flamme aussi. Dans les deux cas, c'est compliqué. Surtout pour un bronze qui est en train de se faire cramer. C'est-à-dire que moi qui suspecte immobilisation, je vais pas y aller au contact, le mec, s'il est en feu. Hein. je te dirais que même s'il est rempli d'essence avec un briquet à la main, moi je vais pas au contact non plus. Bah, je pense qu'on peut peut-être donner un coup de tonfa dans la main. Alors je sais pas du tout si les règles de COPS gèrent ça. Bah, de toute façon, c'est lui qui tout double, hein, parce que ou le truc tombe loin. Et dans ce cas-là, c'est bon, il prend pas feu. Ou le truc tombe à ses pieds, et dans ce cas-là, ouf, le bonze. Faut trouver. Tu peux même pas les taser, parce que si tu les tases et qu'ils ont un truc enflammé à la main, le truc va tomber à leurs pieds, ça ouf, le bonze aussi. En fait, faudrait presque avoir de quoi les asperger d'eau pour éteindre tout ce qui flamme avant qu'ils se. Que l'essence soit en feu. Et mais après, non, tu peux les taser. Tu fais high kick sur le briquet. Et hop, c'est dans la flamme du briquet. Ouais, on joue à COPS, hein, on joue pas à Franco, Jean-Claude Van Damme. Ah ben on devrait peut-être. User joined your channel. Ok. Bon, vous arrivez devant la place de l'hôtel de ville. Alors, deux j'ai appelé mon pote Jean-Claude Van Damme. Est-ce qu'on a un extincteur dans la voiture? Tu cherches et tu me fais un jet de... Alors, j'ai pas de chance dans le truc. On va dire... C'est un flic pour savoir si on l'a pris ou pas. Ouais, moi, vas-y, instant de flic sans froid. Waouh. Si on en a un, on est couillu. Tu veux pas que je fasse le jet, non? j'ai 7, au pire. Allez, difficulté de 2. Hein. J'ai un succès. C'est pas assez. Je sais pas, je pense que Chrome crache ses poumons. Mais il a dit difficulté de 2, donc du coup. Hein. Ah, et Obi, tu le lances ou pas toi? Enfin, je veux bien. Hein. Du coup. Sans froid, c'est un flic. Ouais, j'ai pas beaucoup en sang. Non, mais. Ouais, bon. J'ai beaucoup en sang froid, mais j'ai pas beaucoup en instant de flic, donc voilà. Donc non, pas d'extincteur. Compte sur le parvis de la mairie. Ils viennent tous de balancer chose, leur jerrycan. Est-ce qu'on a des couvertures de survie? Ou une couverture de survie? Alors, t'es pas sûr? Va falloir fouiller le coffre. Pour ça, il faut s'arrêter. Alors, la question conne. Ils sont combien déjà? Il y en a 3, c'est ça? Ils sont 4. 4. Est-ce qu'ils sont dans un parc? Avec des graviers. Ils sont sur le parvis de la mairie. Sur le parvis de la mairie, il y a plusieurs gens autour, il y a des gens qui font des photos. Bref, il y a une fontaine sur le parvis de la mairie, hein? Il y a une fontaine. Oui, il y a une fontaine. Logique, on a un homme de l'Est, il y a une fontaine quoi. Alors, de ce que je me rappelle du parvis de la mairie de Los Angeles, non. Je vais vérifier quand même. J'ai vérifié. On est en 2030. Ouais, va te faire foutre. Justement, l'eau est précieuse. Alors. Ah, mais ça peut être de l'eau de mer ou de l'eau dégueulasse au gobe, on s'en fout, hein. Alors, tout sauf du pétrole.
Oui, c'est sûr. Bah, si c'est du diesel, ça va, hein, ça va le détendre quand même. Hein. Bon. Ouais, mais bon. Alors, c'est du pétrole bien, bien gélatineux, là, comme à l'Erica, là, tu vois. Oui, oui. Donc, Los Angeles City beaucoup, Hall. Du pétrole pas traité, quoi. De l'huile de pierre. Ah, c'est pas mal, ça. L'huile de pierre, ouais. Enfin, les frites sont un peu emmerdants, quand même, mais... Bah, c'est le nom. Alors, de ce que je vois sur les photos, ce qu'il y a devant la mairie, c'est un parking, hein. Disons que... Il y a bien une fontaine. J'ai trouvé une image avec une fontaine et la mairie. Mais le problème, c'est qu'elle est quand même vachement loin. Attendez, hop, je vous envoie ça sur... Je m'en doutais. Là. Bah, on peut aller tremper des vêtements, déjà. Ça peut aider. D'avoir des vêtements mouillés. Ouais, non, mais là, il faut réagir. Les mecs, ils vont se brûler, déjà. Là je vous dis, j'aimerais avoir votre réaction immédiate. Alors, mec, ils viennent de balancer leur jerrycan. Ils sont... Mais en gros, quand tu dis qu'ils ont... Mais quand tu dis qu'ils ont balancé leur jerrycan, ils ont balancé leur jerrycan vers où? Vers eux? Vers eux? Ils les ont vidés, ils les ont jetés? Devant eux, sachant qu'ils sont dos à la mairie, donc vers la chaussée, quoi. Et sur des gens qui se sont écartés. Il y a une quarantaine de gens qui sont là en train de regarder, prendre des photos, de dire « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu !» Bah du coup, je vais courir... Oh mais la police! Venez! L'idée c'est de courir et d'essayer de voir s'il y en a. Si les cars ont une flamme, clairement c'est fou d'ave, hein, voilà. Mais s'il y en a un seul qui a le briquet. Celui qui est tout à gauche a une tchale à main. Les autres n'ont pas l'air d'avoir quoi que ce soit. Eh ben, tous sur lui. Alors, il y a deux possibilités. La couillue et la moins couillue. Ah bah, déjà, de toute façon, Lynn, elle est partie en courant pour le tacler, hein. Oh putain. Ton fa à la main. Ouais, ouais. Bah, je la suis. Guillermo. Je la suis, ton fa. Ok, vous approchez. Ah, nous devons nous purifier par le feu. Il est con. Bon, les réactions. Alors, est-ce qu'on est vraiment très loin quand il dit ça, ou est-ce qu'on a des chances de le choper avant? Ça va jouer au dé, hein, ça joue au dé. Ben, moi, l'idée, c'est d'essayer de sauter et de l'immobiliser pour mettre le feu loin, quoi. Tu vois, lui attraper la main et faire en sorte que d'éteindre le briquet, jeter le briquet et après, voilà, les gérer, quoi. Alors, une question, ils sont dos à la mairie, donc est-ce qu'il y a entre la mairie et leur dos, il y a des gens? Ou est-ce que les gens sont en face sur la chaussée en train Non, il n'y a personne dans leur dos, quasiment. Okay. Les gens sont mis devant. Dis-moi combien de succès il faut pour d'un coup de feu souffler la flamme qu'il a dans la main. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Disons qu'on va voir combien tu fais. Mais un paquet, hein, clairement. Tu vas pas faire ça, parce que moi je suis en train de courir vers la flamme. Hein. Si tu rates ton jet, enfin si tu fais pas au moins une réussite, je m'en fous, je fais une balle perdue qui fait un ricochet. Hein. Ouais, je m'en doute, mais c'est justement pour savoir si je vois Lynn qui fonce alors que l'autre est en train de lâcher son... Je veux au moins 5 succès hein, pour souffler la flamme. 5 succès, putain, mais j'ai aucune compétence, j'ai aucune caractéristique à 5, moi. T'es sous pression, mec, hein, et c'est sur sang-froid que tu le fais, hein. Bref, non, sous réflexe, excuse-moi. Sous réflexe, bah je préférais sous réflexe, tu vois. Bah écoute, tant pis, je laisse Lynn courir. Lynn. Et je vais quand même dégainer et je vais me tenir à distance si je vois qu'il va lâcher le. Ah non, mais attends, alors moi le truc c'est que je suis nul hein, en combat à la main, hein, je vais perdre. Si tu viens pas, je suis fou de lave. Hein, voilà. Encore l'immobilisation, t'as 7 quand même. Hein. Oui, mais enfin. Si t'essayes de le ceinturer et qu'il s'en fait enflammer, t'es dedans. Oui, je suis d'accord, mais Tu te souviens de cette discussion qu'on avait eue sur le partenaire qui protège l'autre? Oui. Bah, l'idée, c'est que si on y va tous les deux, moi je veux attraper... Voilà, tant pis, hein, t'as fait ton choix, mais Ouais, bah moi, franchement, je vais essayer d'éviter que... Je vais essayer de voir si je peux faire sauter d'abord, tu vois, parce que... Donc, en gros, tu tires une balle dans la jambe à Lynn pour pas qu'elle se foute en l'air. Non, ça, c'est le plan B. Le plan A, c'est je vais essayer, alors, au mieux de souffler la flamme, au pire de tirer dans sa main pour que faire sauter son... Bon, la balle étant plus rapide que Lynn, tu tires en premier.
Ok, donc tu dis du réflexe et c'est sur de l'arme de poing. Ça touche le briquet, ça fait une étincelle. Oh putain. Allez, on y va, on y croit. Il y a quand même de succès. Qu'est-ce qui se passe ? Tire un coup de feu. Les gens sursautent, la torche elle tombe sur le sol. Ça commence à prendre. Éteins-la, putain. Eh ben, du coup, pour le coup, je donne un gros coup de pied dans la torche et j'essaye d'éteindre la flamme. Avec quoi ? Avec ma veste. Avec ma veste, mon blouson, et je pousse le mec pour qu'il s'éloigne du feu, quoi. Et j'essaye de faire en sorte que les flammes restent dans ma veste. Tu essaies d'éteindre le feu avec ton blouson. Fais un jet de corps de sang-froid. Ouais, sang-froid. Je te demande 3 réussites dessus et sang-froid tout court, c'est tout. C'est-à-dire sous souci. Il n'y a pas vraiment de truc qui correspond. Ah, 2 succès. T'es en train d'éteindre une partie, t'as ton blouson qui prend feu à moitié. Si je dépense un point d'ancienneté. Si je dépense un point d'ancienneté, je peux pas réussir ? Si. Ah bah je le fais. Donc bah tu l'éteins, le feu est éteint. Bon, putain. Je vais faire de l'intimidation sur les moines, les bonzes. Une fois que j'ai éteint le feu, évidemment, la torche, j'éteins aussi. Hein, Pendant que t'es en train de faire ça, Guillermo, tu vois qu'il y a un autre bonze qui est en train de sortir un briquet. Alors là, je vais l'intimider. Là, je lui dis clairement de poser ce briquet. De ne pas l'allumer, sinon je fais feu. Mais c'est un mec qui veut se suicider, l'intimidation ça marche pas sur un. Encore un. Vas-y, fais-moi ton jet d'intimidation sans froid. Ça va pas marcher. Carrure, mais t'as la même chose. L'intimidation, je l'ai où ? Ici. T'as 8. Et bim. Ouh, ah ouais, réussi en effet. Le mec il commence à faire avec le briquet, puis il te voit, il lâche le briquet en fait, qui tombe, mais il était pas allumé, donc ça va. Ça va déjà. Et je regarde les autres, et le premier qui me sort un briquet, je lui explose le genou. Il brûlera peut-être pas, mais il aura très mal avant. Par contre, donne un coup de pied dans le briquet, on sait jamais. Hein. Oui, aussi. À ce moment-là, il y a les pompiers qui arrivent. Et d'autres voitures de flics. C'est qui ? C'est what ? C'est qui ? Le taulier ? Je crois qu'on a eu un accident. Pendant ce temps, de l'autre côté. Alors, vous avez choisi de la démarche que vous allez faire ? Ouais, on va aller voir le procureur. Attends, ouais, le substitut. Attends, est-ce qu'on peut avoir le nombre d'employés dans la société où travaillaient les deux là ? Ouais. Bah, il faut faire des recherches internet pour le coup, enfin faut des recherches sur les bases de données de. Donc j'ai d'informatique. Éducation informatique, c'est un des deux qui le fait. Ouais, d'accord, ça pourrait être facile. Ou les deux, hein, moi ça me gêne pas. Oui, on peut regrouper nos informations quoi. Moi j'ai 7 en informatique et 4 en éducation du coup, donc je fais point d'exclamation 4, c'est 7, c'est ça ? Yep. Mm-hmm. Éducation informatique, c'est ça. Hein. Je veux au moins 2 réussites. J'ai eu. Bon. 2. Okay. Ça te prend une trentaine de minutes quand même de recherche. D'accord. Tu finis par trouver. Oui, tu trouves des informations sur Eco Consulting, une petite boîte donc de consulting sur financier qui s'occupe de placements dits écologiques. Pourquoi j'ai entendu des dans ta boîte, phrase? Parce que c'est rigolo de mettre des guillemets. C'est l'écologie à base de césium 237 en fait. Non. Et cette entreprise a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 employés. Moins 1 je dirais maintenant. Mais 7, bah ça va être beaucoup plus court des gars. Je crois. Bah on va. Donc t'as la liste, t'es prêt ? Ouais. Marie Agoi Agotian. On a une photo. Lily Chasbass. Louis Mackay, Robert Miller, Jeannette Persson, Bobby Alarez et Steven Spike. Au niveau des noms, t'en as combien féminin à peu près ? Un seul. Un. Marie.
On a une photo? Robert. Hein? Normal. On a une photo? Tu regardes, ouais, c'est une blonde. C'est les cheveux longs, si c'était la question. Quelle surprise! Quelle surprise, ta-ta-ta! Suspense! T'as vu, hein, je t'avais dit qu'il y avait une blonde dans l'histoire. Ouais. En 2030, est-ce que les lois en Californie imposent qu'il y ait de la parité au niveau du boulot? Sinon, tu peux déjà en remettre une amende. Pas spécialement. Oh, t'as vu. bref, bah, on va voir le substitut et puis on lui demande. Un mandat d'arrêt contre la demoiselle non, pour pouvoir passer un. Si! Avec un mandat d'arrêt! C'est violent! Là, il y a un cheveu d'elle sur la scène de crime, mandat d'arrêt! Là, tiens, ça t'apprendra! Non, je ne demande pas un mandat d'arrêt, je demande un papier, j'ai oublié le nom, mais comme quoi, elle est obligée de nous donner son ADN. Bah écoute, ouais, et elle refuse. C'est le minimum CSI, hein. On a trouvé un cheveu, c'est forcément la coupable, va terminer sur une chaise électrique, c'est bon. Si tu zoomes sur le clou, je suis sûr qu'on alors, peut voir son visage. Alors, il y a un truc que je capte pas, vous avez un de ses cheveux, mais vous voulez quand même avoir son ADN. Ah, moi non. Mais c'est hein. Pour faire la comparaison. Non, ils ont, ils ont un cheveu. Ah, vous avez un cheveu, mais vous savez pas si c'est le sien. C'est voilà, ça. C'est ça. D'accord, voilà. Alors, vous allez voir le substitut avec les documents, vous faites un petit jet de bureaucratie quand même. Un bureaucratie quoi? Éducation, tu bureaucratie, apprendras plus oui. Tard. Bureaucratie, le truc que personne ne prend. Bureaucratie? Si, si. Rick, il est bon, on est en ça. J'ai eu zéro! Ah bah j'ai eu un! Je suis donc, vous passez une plombe à rédiger le document, vous êtes pas sûr de ce que vous faites. Puis vous allez voir le substitut avec ça, vous lui expliquez la situation. Donc le substitut reste le même, alors je suis en train de chercher son nom, je sais plus où c'est que je l'ai mis. Ouais, mais bon, quelqu'un là. Et à la fin de votre exposé, elle vous Codéine, non forme qui fait que, j'ai pas entendu. Codéine. C'est un substitut comme c'est un autre. Hein, ça. Bref, j'ai oublié le nom de la substitut. Enfin, c'est une substitut. C'est un homme, je crois. C'est un homme, ouais, c'est un homme. Pourra que je vois, écoute. Parce que j'ai noté son nom. Je suis en train de chercher là. Bon, de toute façon, c'est le même qui s'occupe de l'affaire ouais. Du Kakaga. Il regarde le truc, il fait. Et en gros, si je résume, vous avez des empreintes du gars qui est mort, des oui. Empreintes d'un de ses employés de bureau, et potentiellement un cheveu d'un autre employé. Mmh. C'est ça. Et vous voulez juste une demande d'ADN de la nana. Pourquoi vous voulez pas juste perquisitionner directement tout le truc le staff bah, tout le voilà. Truc des co-consultés, c'est ça, ils sont deux là dedans. Je l'avais dit, mandat d'arrêt. Bon, oui. Perquisition sur tout le monde, oui. Oui, et puis histoire de les questionner un petit peu quand même, quoi. Voilà, de... Oui. Ah, c'est quand même, il vous dit, c'est quand même deux étages au-dessus de là où il y a le meurtre, quand même. C'est louche, quand même, non? Oui, mais on a la preuve de présence que de deux personnes. Oui. Et de trois personnes. Après, c'est parce qu'il y a aussi le gars qui est mort. Oui, trois personnes. C'est-à-dire, quand même, c'est quasiment la moitié de la boîte qui a fait le coup, qui a impliqué. Ils étaient tous dessus. C'était Karl, il faisait chier le monde. Voilà. Et c'est lui qui s'occupait de mettre Windows 10 sur tous les ordinateurs du staff. Laisse l'affaire alors. T'imagines ouais. La police? Ah, ok, on comprend. Bah, ok, bon, innocent. Bah... Innocenté. D'accord, on va faire ça. On va perquisitionner. Non, mais je vous pose la question, moi. Parce que... Ah, mais je suis d'accord. Non, je suis. Oui, bah, oui. Désolé, c'est parce que la bureaucratie, c'est pas trop notre truc. Et pourtant, j'ai un rapport à faire sur un et les enquêtes de aussi, là. Ah, Non, tacle les... du petit. Les enquêtes, ça passe tout seul, vous inquiétez pas. J'ai un bon instinct de flic. Alors là, t'es pas du tout l'inquiété, hein. Absolument pas. Vous inquiétez pas, je fais mes enquêtes à l'instant. Oh putain, c'est quoi ça? Voilà. Bon, dans tous les cas, il te fournit le mandat d'acquisition sur les bureaux, sur tout ce qui a un rapport avec... C'est dans le Maroda, c'est spécifié que tout ce qui a un rapport avec comment ça s'appelle le gars décédé et les deux personnes potentiellement impliquées. Ouais. Enfin non, juste une en fait, celle où on a trouvé les empreintes, parce que tant que Jeannette n'est pas, vous êtes pas oui, sûr. Mais c'est pour ça que je demande
pour une, un oui, non, mais clairement, t'as l'autorisation de faire un prélèvement d'ADN et il te met sur tout le bureau, lui. Ouais. Bon, c'est à peu près ce que je pensais. Le gars, il a été assassiné quasiment sur son lieu de travail. Il n'y a aucune raison que tout le monde y passe pas. Ouais. Coco, on entend ton clavier. Excusez-moi. Pardon. Ouais, pas de mal. Donc, okay. Oui. Parce que je donne des indices au passage. Et comment ? Et du coup, ensuite. Tant que c'est pas au journaliste. Je retourne à mon bureau tranquillement, parce que de toute façon, je suis consigné à. N'est-ce pas, Denis ? Pendant ce temps, Alax. Je suis désolé, mais on va interroger les mecs, on va puer l'essence, hein, mais bon. Est-ce que je peux juste deux petites secondes ? Je me mets sur le rapport de l'accident du Cessna. Pas de soucis. Voilà. Bah du coup on demande à voir le responsable des services logistiques, ouais, enfin bagagiste, tout ça là. Et éventuellement. Ils te disent il dort quoi, il est chez lui. Et est-ce que il y a une plainte? Il y a un adjoint qui est là pour la nuit, mais. Bah, c'est très bien, ils viennent. Mais à la police des frontières, je demande si s'ils ont pas, enfin je sais pas si c'est eux qui le font d'ailleurs, mais est-ce qu'ils ont reçu une plainte sur le vol de José que José Reinhardt a fait en fait. Ils peuvent les prendre. Après ça peut être aussi des plaintes en interne, mais majoritairement ça repasse par eux de toute façon, d'une façon ou d'une autre, à un moment ou autre. Bah justement, est-ce qu'ils ont reçu une plainte pour José Reinhardt avant qu'il se fasse virer? Ouais, clairement, bon, bah, écoute, ils te disent, bon, asseyez-vous, on va regarder ça et je vous sors tout ça. Merci bien. Et il y a l'adjoint qui est là aussi. Bah, l'adjoint, on va lui poser la même question, s'il sait pourquoi. Enfin, est-ce qu'il a une idée de qui est José Reinhardt ? Est-ce qu'il est courant qu'il a été licencié ? Alors, clairement, un voleur de bas étage qui s'est fait toper plus d'une fois et qu'on a bien été gentil de le garder aussi longtemps. Et savez-vous quel et que est son pote là, je sais plus comment il s'appelle là, l'autre trou de balle, s'il continue aussi à faire ça, on va le virer aussi bien rapido. William. Ouais, je crois ça, ouais, William. William Perry. Et je voulais dire. Et donc du coup, vous savez quel est le dernier vol qui lui a coûté sa place à José Reinhardt? Alors c'est pas un vol qui lui a coûté sa place, d'ailleurs à ce moment-là t'as l'officier qui arrive, tu vois une quinzaine de plaintes en fait. Ah oui. D'accord. Ah bah on va là. Est-ce et que le mec, dans... Dit, ça c'est sur les... c'est seulement sur les deux dernières années. Ça devrait aller. Est-ce que dans les noms il n'y a pas du Campbell, du Karl avec des noms allemands, ou Karl de Fontenay, enfin ou, des trucs qui ressemblent vachement à du KKK quoi. Ouais. Par exemple. Et non. Louise Walters par hasard, non? Non, tu trouves aucun nom qui correspond à les gens de l'enquête actuellement. Ok. Ça aurait été trop beau. Hein, mais... Oui. Est-ce qu'il y a des mecs ouais, bah, du coup. Et est-ce qu'il y a une nature de l'objet qui a été volé? Majoritairement, c'est à chaque fois c'est une valise quoi. Et une fois, en fait, seules les plaintes qui sont envers lui, en fait, c'est là, quand on a retrouvé la valise en fait chez lui, enfin chez lui, qu'il avait quoi. C'est-à-dire que l'adjoint il te dit clairement, je soupçonne qu'il en a volé beaucoup plus que ça. D'accord. Ouais. C'est peut-être pas impossible qu'en fait il réussit à en voler une, qu'il se soit fait toper, parce que c'était un truc super protégé de la mort qui tue avec GPS et tout. Et du coup le mec l'a fait, ah bah en fait ouais, tu vas faire ce que je te dis. Et puis, ouais. Ah bah clairement si le mec avait un petit dossier qui était bien dans la merde déjà, ça m'étonne pas que n'importe quel gars ait pu le choper en disant voilà, si tu veux pas d'emmerde encore plus. Oui, non mais c'est sûr, mais... du coup, normalement, c'est que pour trouver ça, putain, chaud quoi. Mais après, si il emmerdait la mauvaise personne, pour l'envoyer dans un plan comme ça. C'est la seule piste qu'on ait, donc est-ce qu'on va pas y aller, si le boulot de fou. Une question qui tue, j'ai l'impression. Rapidement, j'ai pas entendu ta question, mais juste. Pendant que vous étiez avec le supplice du procureur,
Il vous parle rapidement, pour les deux autres, de l'affaire KKK. Il vous dit que si... maintenant qu'on a retrouvé le corps et qu'il est cané, s'il n'y a pas d'avancée majeure dans les prochains jours, l'enquête, elle sera plus du tout prioritaire. Vous pouvez la garder de côté. Si on trouve d'autres indices, à ce moment-là, on la remontera. Mais clairement, si vous trouvez plus rien dessus, c'est pas la peine de vous acharner. Là, pour le coup, pour lui, le problème, c'est que il voit pas de piste dans tout ce que vous avez qui pourrait vous ramener à ce gars-là, quoi. On en a une grâce à des emails. Oui, non, mais... Ouais, alors faut pas le crier trop fort parce que les emails, oui, on les a quand même eu de façon illégale, hein, mais. Oui, parce que bon, après... email, c'est complètement illégal pour le coup. Oui. Bah après, il est mort, il va pas venir se plaindre, hein. Je veux dire qu'on a violé sa vie privée, hein, mais enfin sa mort privée. Ouais. Quoi. Et, mais ça sera pas recevable. Oui, du coup, mais bon, ça peut vite se sculpter comme disent des rapports. Oui, mais dans le sens où si tu topes le tueur, tu pourras pas le relier à José avec ça. Oui, mais par contre, c'est facile à faire. Je veux dire, si le tueur... Enfin, je veux dire, ça semblait logique qu'on s'occupe des gens qui ont été volés. Ah, mais y'a pas de soucis, juste ça. Mais de toute façon, vous en êtes pas là, de toute façon, donc... Idéalement, j'aurais bien aimé pouvoir perquisitionner Protect 3000, quoi, mais... Mais il y a des chances que le portable soit déjà aux mains du Cucus Clan et qu'il ait... Oui, qu'il est gelé dans tous les sens, formaté, puis on n'en parle plus, quoi. Mais de toute façon, actuellement, Lynn et Guillermo sont sur une piste. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci. Si dans ces quelques jours, il n'y a rien de nouveau, passez à autre chose. Hein. D'accord. Bon, bah, je prends... Bah, quand je partirai du substitut, de son bureau, je prendrai la radio et je fais... Guillermo pour headshot. Denis pour être chat. Oui. Oui. On vient de quitter le bureau du substitut. Oui, Target. Dans quelques jours. Hein? Oui, Target. Ouais. Je préfère encore le coup de la chance, hein, tu vois, c'est. Bref. On vient de quitter le bureau du substitut. S'il n'y a pas plus d'avancées sur l'enquête du KKK, elle sera plus prioritaire et on pourra la garder, mais elle ne sera plus prioritaire. Oui, je me doute. Hein, de toute façon, on patine un peu, donc oui, il y a des chances qu'on passe. C'est certain. Mais bon, on va encore pousser donc, un petit peu. La piste a intérêt à donner quelque chose, quoi. Oui. Et là, on n'est pas dans la mouise. Je dis ça, je dis rien. Ouais. Bon, au pire, mais je dis quand même. Je vais quand même faire la demande de perquisition. Faire la demande de perquisition, hein, de Protect 3000. Bon, avec 2 jours de retard, mais bon. Ça fait que. Tu rentres au bureau pour faire ça? Bah, à la limite, je peux demander à. Je peux demander à Daniel de le faire, quoi. Daniel Fox, mais. Bah, non, directement à. À Denis, quoi, il est là. Hein. Oui. En même temps, bah, du coup. Chanceux! C'est cool, tu sais quand il veut te demander quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? On aurait besoin d'un mandat de perquisition pour Protect 3000. Afin de trouver l'ordinateur qu'ils ont subtilisé à José Reinhardt chez lui. À José Reinhardt, ouais. On vient de quitter le bureau du Croc. Sur mon rapport. Tu retournes, hein. Je suis sur mon rapport du Cessna. Eh ben, voilà. Après, cesse si de faire si ton rapport sur le Cessna. Je suis là aussi, hein, Lina. Oui. Parce que lui, il peut taper son rapport, moi je peux faire autre chose en attendant, hein, pour le moment. Ah ben, on va demander au procureur un mandat de perquisition pour prendre 3000. Gentiment, avec des messieurs. Bref. Je fais un jet d'éducation, c'est ça ou pas? Ouais, je fais. Ouais. Mais vu qu'il me le demande, bah, du coup, non, tu vois, en fait, la réponse sera la même de toute façon. En fait, le procureur il dit le problème, c'est que comme l'enquête sur le Ku Klux Klan Protect 3000 a été récupérée par une autre équipe,
Bah, c'est pas ça, c'est qu'ils ont déjà fait la. La demande la fouille des bureaux, quoi. Ah, ils ont déjà fouillé la fouille des bureaux. Il y a possibilité d'avoir le résultat. Non, mais laisse-moi finir. Donc, si vous voulez voir ce qui a été récupéré, il faut descendre à l'orgive et demander les responsables de l'enquête et espérer qu'ils vont collaborer avec vous. Ok, bah écoute, je transmets l'information aux autres et du coup, bah je vais m'occuper de ça, je vais descendre aux archives, je vais demander gentiment. S'il te plaît. Pas aux archives, à l'orgive, rien à voir. L'orgive ? C'est comme les archives, mais avec une orgie. Oui, mais je m'attendais à une blague dans ce genre-là. C'est pas ça ? C'est quoi la différence, non. Du coup ? Enfin, l'orgive, c'est quoi, dis-moi ? Moi ? Attends. Il te répondra quand tu auras récupéré du souffle et de la voix. C'est ça. Quand je serai vivant, j'essaierai. Donc. En train de... Check pour pas dire une connerie. Et puis... Tu sais, même en vérifiant, t'en dis un peu, quand même. Hein, donc... Ouais. Hein? Parce que bon, un véhicule de l'université qui fait un demi-tour au frein à main, je suis désolé, hein, mais voilà. Hein? j'ai réécouté la partie avec le crash du Cessna, et en fait, la camionnette, elle a fait un demi-tour au frein à main. Ah ouais? Ouais, du coup, je trouvais ça un peu... J'ai déjà vu faire, donc... C'est un peu violent. Ah oui. Oui, okay. Mais avec une camionnette et que ce soit des adolescents qui conduisent, je suis pas certain, quoi. Tu comprends pourquoi je l'ai suivi ? Là, ah, on a perdu. Il s'est passé quoi ? Je sais pas, mais on a perdu quelqu'un. On a perdu Cocoon. Il va revenir. Ah, putain. Ah, mais maudit, quoi. Tous les autres joueurs, ils ont des connexions de merde, quoi, en fait. Ah, non. Bah, tous les autres joueurs, à part nous trois, quoi. Mais... Déco sauvage, c'est pas grave. D'accord. Donc, alors, avec les féroces. Tac, tac, donc. Attends, je suis en train. Une seconde. Je suis en train de vérifier. Pas dire une connerie en fait. Ouais, c'est ça, c'est l'orgive, donc le département des crimes organisés. Ok, bah écoute, je vais filer là-bas pour essayer de voir avec eux s'il y a moyen d'avoir plus d'informations par rapport à l'affaire. Alors, faut y aller gentil, hein. Ah bah c'est sûr que si je pose mes couilles sur la table, oui non, peut-être d'y aller plus subtil que ça quand même. Sur le nez, sur le nez, faut les poser. T'es reçu par Nye Sullivan, capitaine de l'unité. D'accord, ok. Bah je le salue du coup, j'imagine que le salut militaire, ce sera peut-être un peu too much quand même. Par réflexe, je pense que je vais le faire. Je le fais. Il te regarde. Donc je lui demande... C'est pourquoi ? Alors du coup je viens de voir... Enfin bonjour déjà. Je viens de voir du coup... C'est l'assistant du procureur, c'était bien ça, c'était pas le proc. Oui. Et, de toute façon tu vois jamais quasiment le proc. Hein. T'as un seul procureur à Los Angeles. T'as que des substituts en fait. Ouais, c'est pour ça que je préfère demander. Du coup, je fais partie de l'équipe Alpha que je viens de rejoindre très récemment. Du coup, je viens de voir l'assistant du procureur me disant que du coup, il y avait une perquisition du coup dans les locaux de sécurité 3000 par rapport à l'affaire KKK. Et j'aimerais savoir s'il serait possible du coup d'accéder au résultat. C'est quoi votre nom ? C'est quoi votre nom, officier ? Atkins. Détective. Vous n'êtes pas sur l'affaire du KKK, a priori, vous n'êtes pas partie des gens qui étaient sur l'affaire. Pourquoi vous intéressez à ça ? Parce que du coup, l'équipe Alpha avec laquelle je travaille, du coup, travaille dessus par rapport à, aux différents meurtres, et on pense que ce serait un très bon complément d'information d'avoir accès aux informations liées à Sécurité 3000. Lynn, pardon, oui. Lynn, excuse-moi, oui. J'ai eu quand même des pressions assez hautes qui me disent justement que le COPS et particulièrement ceux qui sont sur l'affaire cinquuple assassinat n'ont pas à mettre leur nez là-dedans parce qu'ils en ont déjà trop mis. Justement, on pense que c'est... Ça pourrait altérer leur jugement, parce qu'ils ont déjà mis sous pression un témoin qui a tout balancé. Je reprends les déclarations de l'avocat... Comment il s'appelle déjà ? Justine McNamara qui dit que les officiers du COPS ont fait des pressions énormes sur son client pour qu'il avoue tous les crimes. D'accord. Putain. Heureusement que je suis pas en face de lui, celui-là. Attends,
Oh la vache! Encore heureux que j'entends pas. Attends, juste une question. Est-ce que j'entends cette discussion ou pas non. du tout? Non, t'es pas dommage. Là. Dommage, bien dommage. Ok, du coup, je le regarde d'un air un petit peu atterré, quoi. Tu sais, je me montre compréhensif en disant ah oui, enfin, je vois un peu le souci, quoi. Oui, bon, après, du coup, voilà, c'est moi, étant un nouveau membre du groupe et du coup, étant un peu plus impartial, un peu plus objectif, est-ce que vous pensez qu'il y aurait possibilité que moi j'accède à, du coup, à ces informations-là pour pouvoir avoir un œil plus Alors, général? Qu'est-ce que vous voulez exactement? C'est ça la question, en fait. Je vais pas vous donner tout. Oui, ce que non. Vous voulez, exactement. Non, je comprends bien. Du coup, les résultats qu'il y a eu par rapport à la perquisition faite chez Security 3000 au niveau des locaux. Pourquoi ouais, vous cherchez un truc en particulier ou... L'ordinateur José Reinhardt. Du coup, avec l'ordinateur de José Reinhardt, merci Lynn. Du coup, je pense qu'il peut y avoir des informations qui pourraient nous être utiles sur l'enquête du coup qu'on fait. Enfin, sur l'enquête avec laquelle okay. je suis par rapport à lui. Est-ce qu'il y a moyen d'en savoir plus pour que je prenne ma décision? Parce que juste que vous me dites que vous avez besoin d'un consulter un ordinateur qui était là-bas, c'est un peu léger. Techniquement, je pense qu'il y aurait des informations sur le... comment dire... Ah merde, je trouve plus mes mots là. Alors, adressez-moi un rapport exactement de ce que vous cherchez. Attends, c'est facile. C'est facile. Je prends la note et je vous dirai si je peux faire quelque chose pour vous. L'ordinateur, il a été volé par les mecs de Protect 3000 à José Reinhardt, qui est un témoin et qui est la seule piste pour laquelle on a. Ce mec-là a connu le tueur. Donc, c'est la seule piste qui nous mène à lui. Donc, dans l'ordinateur, il y a peut-être la preuve. Ou un chemin vers... on s'en fout du KKK, parce que dans l'ordinateur de José Reinhardt, il n'y a pas d'infos sur le KKK, en théorie. Parce que lui, il n'était même pas au courant de ça, c'est plutôt sur le groupe dans lequel il était qui nous intéresse. Oui, c'est ça. C'est que sur le point qui nous donne, le message radio pour que le Titanic évite l'iceberg. Donc soit il le fait, c'est bon, soit on fait couler le bateau... Bon, tu essaies en gros, tu retranscris ce qu'il dit, oui, s'il te plaît, oui, s'il te plaît. Ok, tu me fais un petit jet, parce que... J'ai de quoi, s'il te plaît. Justement, je suis en train de réfléchir. Ok. Jérémy. Ça va être charme. Ouais. Attends, que j'y suis pas. J'hésite avec bureaucratie ou instinct. J'essaie d'attaquer ça d'un point de vue logique. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre ça plutôt sur l'éducation? Avec la... Comment on appelle ça? La rhétorique. Ok, éducation, rhétorique, ouais, ça me va. Merci. Je veux au moins 2 réussites. C'est bon. Ok. Il te donne les papiers nécessaires pour que tu ailles voir cet ordinateur qui doit être dans le département des preuves, en fait. Super. Alors du coup, j'appelle tout le monde du coup de l'équipe Alpha. Je vous précise que voilà, j'ai réussi à avoir le papier pour obtenir l'accès à l'ordinateur et que je vais aller le voir justement s'ils ont une demande particulière. Après, je peux pas le ramener. On est d'accord, c'est juste de le consulter. Oui. Bah, en faire une copie. Peut-être en faire une copie. Faire la bise au procureur pour le remercier. Oh, je ferais mieux que ça. C'est dégueulasse. Du coup, Wedge, je te contacte du coup par téléphone. Enfin, j'imagine, je pars du principe qu'on a nos numéros de téléphone. Hein. Ou rappeler comme tu veux. Je t'interromps dans ton rapport et je te dis voilà que j'ai eu le papier de ce qu'il faut. Et donc, mieux vaudrait que toi, tu viennes me voir rapidement pour qu'on y aille à deux. Parce que toi, tu as sûrement un peu plus d'informations que moi sur ce que tu cherches vraiment. Il y a le stagiaire qui veut t'accompagner. Oui, c'est bien, oui. De toute façon, gamin, je voulais t'emmener avec moi, donc tu me suis. Cool, je vais pouvoir le département des pièces à conviction. il me plaît pas bien, sûr le petit. Que tu as le droit de toucher quelque chose, mais... On verra. Ok, bah écoute, moi je vous attends, Wedge, hein. Je vous attends tous les deux. Ok, enfin c'est pas Wedge, moi c'est... C'est quoi ton nom? Denis, en nom de perso, d'accord. Target. Si tu veux, c'est plus chanceux. Facile. Non, on l'appellera. Ça va être le qui target si ça continue comme ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, c'est vendu. Surnom de qui target. Putain. j'ai droit de proposer Tarki ou pas? Non. C'est trop noté. Dommage, j'aurais essayé. Ouais, c'est sympa, toi, de l'appeler d'Inde, c'est sympa, quand même. Donc, Trump, dis-nous tout, qu'est-ce qu'on trouve là-bas? Tout. Ah bah attends. Et qu'est-ce qu'on trouve là-bas? Voilà. Donc,
Bah, il y a l'ordinateur, vous le branchez. Surtout, en fait, dans le département des pièces à conviction, bon, bah, il est grand et tout. Et ils ont fait une nouvelle acquisition, ils sont en train de la regarder, qui est sous plastique et tout. C'est un espèce de fusil sniper qui aurait servi à tirer sur un agent du COPS. Ah, c'est intéressant, ça, tiens. Ils sont en train de l'admirer en disant, putain, regarde-moi ça, putain, il a été modifié et tout. La vache, ça peut faire une fortune. Elle modifiée, une belle bête. C'est ça. Ouais, ils bavent carrément, quoi. Donc, attends, je tends l'oreille pendant qu'ils sont en train de faire leur truc informatique, là. Le stagiaire, il est un peu au courant de l'affaire ou pas du tout? Non, il vient de nous rejoindre, là. Pas du tout. Pas plus pas que ce qu'il a entendu en dictant à côté de vous, quoi. Ouais, d'accord, c'est ça. Donc, du coup, Denis, je te dis, ouais, ce serait bien de venir nous aider un petit peu, quand même. Tu baveras sur le sniper. Alors, ce que t'as entendu, Denis, c'est juste qu'ils sont en train de s'extasier sur le fait que la vache, a priori, comment ça s'appelle, la lunette, il y a une espèce de mécanisme qui corrige le canon. Ça, c'est du travail de pro, quoi, niveau modification. Ouais, je peux en témoigner. Et que, putain, si on pouvait le... ils disent qu'il y a des mecs du SWAT qui seraient prêts à le prendre si c'était pas aux archives, enfin, si c'était pas une pièce à conviction. Il y aura pas mal de gars du SWAT, ou même du COPS, ou des autres services qui seraient prêts à l'avoir en fusil de dotation. Oh la vache. Du moins la modification. Donc ce serait intéressant pour plus tard de savoir comment ça a été modifié, enfin, si on peut savoir où ça a été modifié, pourquoi pas. Parce que si oui, c'est si modifié que ça... Ça, c'est pour Guillermo, donc voilà. Et puis moi, je les regarde et puis je leur dis, ouais, je peux en témoigner de son efficacité. Je commence à tapoter un peu des doigts sur la table en te regardant, Denis. Non, mais c'est bon, tu laisses le gamin faire. Hein. Et le gamin, il te fait, alors, il faut tapoter sur le clavier. je me marre, du coup, et je lui fais un clin d'œil. Je lui paierai un donut après, moi. C'est pas encore un vrai flic qui carbure de nuts. Donc, vous le laissez entre les mains du gamin, la pièce à conviction? Le surveillant de très près. Non, parce que c'est surtout les autres qui vous regardent, hein, les mecs des pièces à conviction, vous avez fait tout ce que tu veux pas t'en charger, Denis, quitte à te faire conseiller par le stagiaire, parce que bon, toi, vu que t'es plus un vrai flic, du coup, un peu plus ancien sur l'affaire, je préfère que ce soit toi. Alors, je dis ça dans le sens où vous allez juste passer pour des bus si vous laissez un gamin trifouiller une pièce à conviction. Sinon, je fais. Il est en stage, faut qu'il apprenne. Ouais, mais bon, après, c'est toi qui. Ouais, en même temps, t'es marqué cops, on se dit que le mec, il a tous les passe-droits, il se permet de donner à des gamins des pièces à conviction. Eh ben putain, elle est belle, l'unité. Hein. Bon, sinon, gamin, explique-moi comment ce qu'il faut faire. Alors, faut appuyer sur le bouton démarrer, monsieur. Secrètement, non, mais c'est je ça. Prends le clavier et puis. On peut se mettre alors... un petit peu plus loin ou pas, Chrome, du coup? Ouais, oui, mais il y a toujours un mec qui vous surveille, hein, de toute façon. Oui, je me doute bien, mais bon, histoire que ils sont pas 15, on est bien en train de galérer, quoi. Qui c'est qui se met sur l'ordinateur? C'est moi. Ok, bah, j'ai éducation informatique et tu as un bonus de plus 1 pour l'éducation, un des plus pour le gamin qui t'aide. D'accord. Alors, ça fait 4... Ok. Bah, ça aurait été un jet pour moi, ça. Oh, putain. Combien de réussite? Attends. Il n'a pas encore lancé le... Non, je te demande, Chrome. Bien. Ah, 3, j'entendais. Bah voilà. Voilà. Ah, t'en voulais 3 en plus? Donc, ce que tu trouves... Alors, une partie des données ont été corrompues. T'arrives à en récupérer une partie? Ouais. Corrompues dans le sens où, a priori, ils ont effacé une partie. Ouais. Mais ce que tu récupères surtout... C'est comment il s'appelle, José Reinhardt, qui pose avec une espèce de grosse valise, a priori avec des armes militaires dedans, genre hey, regardez, c'est à moi. Ah ouais, d'accord. Youpi. De toute façon, il est mort, on peut pas l'accuser de quoi que ce soit. Sauf si on reconnaît les armes qui ont servi pour C'est pas tant l'accuser. Clairement, tu reconnais un jeu de deux pistolets, les deux pistolets qui sont dedans. Il y a des armes lourdes et il y a aussi deux pistolets. Et ça correspondrait aux pistolets qui ont servi au quadruple assassinat. Il n'y a pas le sniper? Oh, il n'y a pas le sniper. Ça aurait été marrant. Oui. Mais non. Est-ce qu'on peut partir du principe que c'est lui qui aurait fourni les armes, du coup? Parce qu'il a l'air de se la péter grave, j'en trop fier, c'est moi. Ah, je pense qu'il les a volées. Et qui s'est fait choper par le groupe. Ouais, mais attends,
Rassure-moi que ça n'a rien à voir avec le vol de l'aéroport. Bah si. Ouais, je pense qu'il a, il a volé les valises avec les armes qui étaient camouflées à l'intérieur. Il s'est fait choper par, par les mecs, et puis voilà, ils l'ont dit, bah tu vas être chauffeur. Et puis tu vas faire. Ouais, mais vu la quantité d'armes, est-ce que ça a l'air impressionnant? Dis-moi, stop. Dis-moi. Attends, attends, laissez, ouais, je veux poser, poser cette théorie. Je veux poser une question. Est-ce que je vois sur la photo une étiquette de voyage de la valise? Non. Non. C'est une bonne idée, mais non. Est-ce que j'ai une date de prise de la photo? Ouais. C'était il y a 2 semaines. Donc une semaine avant le truc de mémoire. Pas avant. Grosso merdo, ouais. Dans tous les cas, les armes que tu vois sur le, dans le dans l'espèce de truc, les deux pistolets correspondraient correspondent. Alors je me rappelle plus c'était quoi les armes que j'avais données. C'était des ouais, donc, voilà les armes qui ont celle qui a tiré sur le gardien et l'autre qu'on a non. Non 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 justement c'est ce que je te dis. C'est les armes qu'on servit, c'est les armes qui correspondent au, au trou qu'ils ont dans la tête les quatre gars. D'accord. Ça correspond pas aux armes de que vous avez retrouvées sur les sur l'équipe. Question Aline et Tlon, du coup, au niveau de votre, de votre passage à l'aéroport, là, vous et toutes les armes. Et toutes les armes en question sont personnalisées et modées. Hein. Alors, de notre petit passage à l'aéroport, bah, c'est pas génial en fait. Parce que, à la limite, ce qui pourrait être faisable, c'est du coup d'enquêter plus sur ce fameux arrivage. Parce que, bon, si c'est un vol à l'aéroport qui a été fait, si je pars du principe que les armes sont celles qui ont été volées du coup là-bas, c'était un putain de chargement. À moins que ça ait été envoyé au compte-gouttes, mais ça m'étonnerait franchement. Alors, non, alors pour le coup, c'est que les armes dis, du tueur. J'ai dit, c'est une grande valise, style, bah, un peu mon, comment ça s'appelle, ma mallette, une mallette à guitare. Hein, c'est ouais. La mallette en métal à guitare. Donc, c'est-à-dire que tu mets quelques armes dedans, mais c'est pas. Alors, on vu qu'on a la photo, il y aurait la photo, il y aurait pas moyen de repasser justement avec à l'aéroport, essayer de retracer d'où il vient, enfin d'où l'envoi a été fait de cette valise-là et à qui elle pouvait appartenir, parce qu'elle a bien. Mais justement, c'est ce ouais, mais ça va être compliqué, comme t'as non, pas d'étiquette, t'as rien, on a que la photo. Mais par contre, est-ce que en faisant des zooms avec. En faisant des zooms, machin, bidule, bref. Est-ce que j'arrive à. Non, ça rajoute pas des pixels. Non, mais est-ce que. Non, voilà, mais est-ce que j'arrive à discerner un numéro de série d'armes ou quelque chose comme ça? Non, ah ouais. Par contre, tu distingues très clairement qu'elles ont été effacées. Parce que gratté. Fuck. Enfin, même pas que... gratté, excuse-moi. Gratté et peint. Est-ce que l'arme a subi des modifications? Ah ouais, ouais, toutes les 4 armes qui sont là, dont les 2 pistolets, ont été modifiées. Mais il n'y a pas moyen d'établir leur plus. Elles ont été en plus. Qu'aurait eu un Sharp 251. Non, 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 non. Non, quand je dis modification, bon, c'est des pièces d'armes en plus, style mire laser, etc. Mais clairement, en fait, elles ont été décorées. Décorées dans le sens où il y a des. Elles ont été peintes, etc. Elles sont uniques. Est-ce que ça fait mafia? Est-ce qu'il y a des symboles? Rien d'identifiable pour vous, en tout cas. On peut lancer une recherche au niveau de la criminologie, voir s'il n'y a pas des trucs reconnus. Ouais, des gangs. Ouais, c'est sûr qu'il bah, va falloir faire. En fait, ouais, ouais. Ouais. Ça va bah, vous lancer la recherche, soit vous la faites vous-même, soit ça prendra un certain temps. Je peux essayer de la faire moi-même, ça dépend à combien, enfin, qu'est-ce que tu demandes? Éducation informatique. Ok, bah 4 essais, je teste. Vas-y, je le fais aussi. Et ça va te prendre au moins 3 ou 4 heures. Bah, mieux vaut que ce soit que l'un ou l'autre. 15 minutes en moins par réussite, en plus des 3 que je demande. Moi, j'ai 4 essais, du coup, tu le fais ou pas, Denis? J'ai 3 C6. 3 et 6? 3 C6. Vous pouvez pas aider du gamin, hein. les procédures ouais. Internes, il connaît pas. Hein. Sur ce coup-là, ouais. Oh, joli. Et c'est un échec de Cocoon. Avec un C majuscule, c'est mieux. Double échec. Bon. Mais Denis, par contre. Pendant ce temps, de l'autre côté. Ouais. Bon. Est-ce que vous nous avez communiqué ces infos au moins?
Bah là, par rapport à comment Oui. dire la photo, oui, là, enfin, on vous a donné le, on vous a retransmis les infos. Moi, de toute façon, je suis, j'ai mon casque, j'ai ma caméra casque dès ma prise de service, hein, donc tout le monde, à peu près tout le monde voit ce que je fais. Alors, Donc, clairement, si tu l'as dès ta prise de service, tu te fais troller par tout le monde. Si tu l'as dans dans les locaux, tout le monde te Ah troll. oui. Non, mais ouais. C'est pas faux. Ah, C'est les je vais te bagarres, prendre. ils nous Les mecs, ils te voient, surveillent. les mecs, ils te voient arriver, quel que soit le service, ils te voient arriver avec une caméra sur la tête. Ouais, mais bon. Ah, soit ils se foutent de ta gueule, soit ils veulent pas te parler parce que t'es un putain d'indic du SAD. D'accord. Non, mais ouais. Ce qui se passe dans les locaux du COPS Attends, reste là, dans les comment? locaux du COPS. Juste par curiosité, la caméra, on peut la détacher et puis garder juste le micro-casque pour la Alors radio. normalement c'est intégré le truc. Ah ouais, donc non. Ouais, bah tant pis, je prends la petite radio ou quelque chose comme ça Du à coup, la main, quoi. oui, non. Qu'est-ce qu'on trouve par rapport à la recherche là? Attends, ouais, je passe À aux nous. autres un peu en fait. Ouais. Ok, pas de soucis. À nous. Donc Alors du les deux coup, autres. moi je demande la liste des vols il y a 2 semaines. Eh bah Police putain. de l'air. Ah bah il doit pas y en Regarde, avoir. vous savez que c'est l'aéroport international. Oui. Et Et on espère bien vous avoir des on personnes vous l'envoie compétentes par en face mail. de nous. On vous l'envoie par mail. Hein? On va faire Alors, ça, du coup, moi ce que je veux, c'est que je resserre en fait la nuit où a travaillé en fonction des heures de travail de l'autre hein. Ouais. bus là. Je regarde dans 2 semaines son le créneau qui correspond au bonjour quoi. Et ou enfin juste avant Oui, tu quoi. veux voir quels sont les vols, quoi. Voilà. Et surtout sur les vols sur lesquels il a transporté les bagages. Parce que ça peut peut-être réduire. Parce que s'il y a plusieurs terminaux, il travaille peut-être que sur un seul terminal et non du terminal. Et du coup, il peut avoir. Ça peut éliminer un certain nombre de vols. Voilà. C'est de recouper et d'éliminer le plus possible de cas. Tu fais ça, tu tombes sur une trentaine, quand même une dizaine de vols qui restent. Ok, eh ben je demande la liste des passagers des 10 vols. Ok. Voilà. Il te demande à ce moment-là un mot du procureur te l'a donné. Ben, il va vous Oui, eh passer ben. voir le procureur. Eh ben. Et dans ces 10 vols, on est certain qu'il y a l'assassin. Bon, faudra éliminer un certain nombre, On mais. n'est pas certain, on a des grosses présomptions, c'est pas la même chose. Ah ben. Voilà. Moi j'en suis convaincu, mais. Après, il a peut-être donné un nom d'emprunt, hein. Il a peut-être des faux C'est pas papiers, tout d'être etc. convaincu, il faut aussi avoir sa revanche. C'est ça, mais voilà. Et après, idéalement, il faudrait arriver. Après, on peut regarder les destinations, peut-être éliminer. Enfin, s'il y a des vols intérieurs, on pourra les virer. Et je pense qu'il y aura des vols qui viennent de. Comment dire, de. S'il y a des trucs un peu chelous. Des destinations un peu dangereuses ou un peu sulfureuses. Voilà. Sachant que dans les trucs qu'il a transportés, t'as aussi des vols purement de fret, hein. T'as pas que de. Ouais! Oui, aussi, c'est vrai. Mais bon, sinon jamais. Est-ce qu'on s'est pas dit que le mec qui transporte ça, il se balade avec dans le même avion que le truc, hein. C'est pour ça. C'est possible. Non, c'est sûr, c'est possible, mais bon. Il nous faut bien une piste à un moment donné, hein. Et je parle pas d'une piste de vol. Mais au moins, si effectivement il y a des avions de fret, on sache d'où ils viennent. Ça peut être ça doit être déjà écrit sur les avions de fret qu'il y a dedans. Normalement, tout est Okay. identifié. Donc après mastermind là-dedans et puis pouf on trouve. Va être long, putain. Ben J'ai idéalement pas. C'est un peu ben, je chercher sais que l'aiguille ça. dans plusieurs bottes de foin, là, hein, quand même. Bah non pas tant que ça c'est juste de la méthodologie quoi. C'est Ok. Les autres. Je passe un peu aux autres aussi. Je passe. C'est À long, moins que vous ayez oui, autre chose à mais faire à l'aéroport. Parce que Non. ma part récupérée de la base de données là. Bah c'est tout pour moi, je pense. Après, je sais pas. Guillermo. Guillermo est pas là. Guillermo? Guillermo! On a perdu Guillermo. Bon, passage de Il l'autre a plus de côté. micro, Guillermo. On n'entend pas. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites dans les bureaux? Moi je Là, continue mon j'étais sur rapport Facebook, aussi. moi. Quoi?
continue mon rapport sur le Cessna. Non, déjà de toute façon de base on a récupéré tout ce qu'on voulait de toute façon a priori. Ouais. Sur le Cessna, ouais, normalement, à la limite, ça va vous devoir, hein, pour le coup. Je sais plus où vous en étiez, donc... Non, mais le Cessna, de toute façon, c'était des étudiants que j'ai chopés, qui ont tenté quelque chose et que ça a merdé, et qui, sans le vouloir, ils ont tué quelqu'un, donc... Et miraculeusement, le bébé a été sauvé. Enfin, entre guillemets. Vous avez Jen qui passe et qui dit « Putain, tu fais chier, Sniper, tu me... » Il y a Sniper à l'autre bout de l'open space qui fait de toute façon t'appartiens au SAT, tout le monde le sait. Ou alors il est extrêmement parano. On verra c'est qui tire le mieux. Hein? Ah putain. Ouais. Ah je me comprends. D'accord, ok. En fait, je dois faire un concours contre Sniper. D'accord. De tir. Ok. Par contre, juste question du coup, donc, une fois qu'on a fait un peu le tour là, de l'ordinateur de Reinhardt, il n'y a rien d'autre du coup qu'on retire à part justement cette fameuse photo et compagnie ? Il y a cette photo qui vous paraît intéressante. Mm-hmm. Vous retrouvez les mêmes mails que... Bah, que le oui, que le stagiaire nous a retrouvés, oui. Mais là, de façon officielle. Du coup, est-ce que... Ouais, est-ce que tu penses qu'il y aurait autre chose du coup... Ouais, Denis, pardon. Est-ce que tu penses qu'il y aurait autre chose qu'on pourrait trouver de sympa ? En fait, plusieurs photos... Plusieurs photos en fait à chaque fois qu'il chopait en fait, qu'il attrapait, qu'il revenait avec un. Ouais, les trophées quoi. Tu vois qu'il se prend en fait en photo avec. Ah, mm-hmm. j'ai piqué ça. En fait, c'est juste un putain de taxeur d'aéroport en fait, tout comme moi. Oui. D'accord. Ah oui, complètement. Mais du coup, ouais, moi ça me maintient dans ma théorie. Du coup, s'il a réussi à mettre la main sur un port de flingue, une valise de flingue, techniquement, s'il s'est fait ramener une mission foireuse et suicidaire comme le truc du KKK là. Il a dû tomber sur quelqu'un, ouais, comme tu disais, Lynn, d'assez puissant, peut-être voir un clan, justement. Et au niveau de la certification des armes, du coup, au niveau des gangs, on avait trouvé quoi ? Par contre, je crois pas avoir entendu la réponse. Bah oui, parce que je l'ai pas dit. Justement, j'attends. Clairement, ces armes, en fait, elles sont référencées du part. Tu fais des recherches à gauche, à droite, sur à la fois les motifs, les trucs. Clairement, ça a fait référencé nulle part en tant que tel. Après, ce genre de modifications à la fois sur les armes et sur les trucs, c'est pas à la portée de tout le monde non plus. Mais malheureusement, des gens qui font ça, il y en a peut-être à Los Angeles, il y en a peut-être aussi dans le monde, quoi. Donc, ouais, et aller chercher les gens qui font ça, c'est ça. Ouais, vu que les gens ont été pris un peu partout au monde, sur des Africains, etc., ça sert à grand chose de quoi. Disons que ceux qui font ça, on va dire illégalement, qui sont connus, ils sont en tôle. Donc ça va pas vous aider quoi. Ok, je vois. Du coup, ouais, on est un peu... Enfin bon, là-dessus, ça ira pas beaucoup plus loin. On a au moins eu la photo, c'est pas mal. Enfin, ça va pas vous aider, à vous de voir. Hein ? Ça va peut-être nous aider si une des armes aurait fait surface, quoi, en fait. Ouais. Oui. Moi, c'est ce que je comprends. L'un des mecs qui fait ce genre de personnalisation est enfermé à Nooper Point, qui est une des prisons de Los Angeles, sur une île. Ah bah, ce serait peut-être intéressant de passer le voir du coup ce monsieur là, ça pourrait être intéressant. Mais les droits de visite c'est pas à cette heure là, hein, tu vois, là il est 4h du matin à peu près, ou une connerie comme ça, voire pas loin de 5h. Est-ce qu'il y a besoin d'un papier pour aller le voir ou pas ? Une autorisation j'entends. Je pense pas. Tu peux toujours aller voir le substitut pour toujours avoir des papiers plus ou moins officiels, ou sinon il faut faire ta demande toi-même. Bon, il faut quand même justifier de voir un prisonnier sur une affaire qui a rien à voir avec lui en fait. Mais il pourrait nous renseigner sur possibilité de la personne qui aurait fait les modifications. Oui. Et donc il y a pas possibilité d'y aller en notre Le problème c'est que pourquoi il vous donnerait des infos à des flics ? C'est ça, il faut vraiment se poser cette question. C'est pas fou. Parce que si c'est pour aller pour lui poser les questions, le mec il va juste vous foutre de votre gueule. Hein. Ouais, donc ouais, mieux vaut y aller avec les papiers adéquats. Il faut y aller avec des papiers compatibles. Non, mais même avec des papiers adéquats, ça change rien. Voilà, mais ça. Bah, si on peut lui promettre d'améliorer ses conditions de détention. C'est marchandé. Ah oui, complètement, oui. C'est marchandé, de toute façon. Après, il faudra juste attendre demain. Bon, limite, ouais, on peut déjà commencer à faire les papiers pour demain par rapport à ça. Vu qu'on aura moins besoin du coup d'aller dans les locaux. Enfin, attends, si, on a toujours ça aussi à faire demain matin. Elle est dans les locaux de... Mince, comment ça s'appelle ? Enfin bon, ça c'est une autre affaire, tu me diras. D'ailleurs, oui, voilà. Chrome, quelle heure il est ? Il est en jeu. En jeu, il est 1h du matin.
D'accord, non, très Attends, tôt quand pourtant même. j'ai passé 3 heures à faire les... Ouais, excuse-moi, il est 2 ou 3 heures du matin. Ok. Du coup, nos amis à côté, qu'est-ce qu'ils font là pour l'instant? Parce qu'on va... enfin, on peut peut-être se rejoindre si y a plus grand-chose à faire de leur côté. Je sais pas si Guillermo est revenu. Bah moi, oui, je vais revenir au poste. Non, non, on parlait sur TS. Hein. Sur TS, parce que t'as été absent au moment où on t'a appelé, t'as pas répondu. Alors du coup... Oui, j'ai coupé, pardon, excusez-moi, j'ai coupé le micro. Enfin, les écouteurs. Ah. Du coup, est-ce que t'avais quelque chose à faire de plus à l'aéroport, en fait? Bah non, pas grand-chose de plus, en fait, parce que je vois pas trop ce qu'on pouvait gratter comme piste supplémentaire par rapport à ce qu'on a appris. Et que va falloir qu'on dépile de la paperasse, qu'on épluche les passagers, enfin bref, on va faire de l'administratif, ce qui me barbe. Ça va être long. Guillermo, pour éplucher les passagers, j'espère que t'as un bon économe. Elle est très bonne. Je vais déco là, je pense. Pareil. C'est digne d'Obi, c'est du niveau d'Obi, je suis désolé. Ah mais oui, je valide, hein. J'ai déjà fait des blagues comme ça avec l'économe et tout, y'a pas de problème. Je vous laisse 2 minutes, je change de pièce du coup, donc je vais déco quelques minutes et puis je me remets en bas, d'accord? Je vous dis à tout de suite. D'accord. Tu vas changer quoi comme pièce? Un bras? Une jambe? Un billet de 5, allez, à tout de suite. Ok. Attends, moi je vais voir... Il y a cette histoire là, on passe combien de temps? Idéalement, en rapport, à peu près si on a des indices qui s'y connaissent en armes, on peut peut-être savoir si sur Los Angeles il y a des gens qui peuvent fabriquer ça. Il y a beaucoup de gens qui pourraient nous. Ou qui, ouais, qui pourraient. Rappelez-vous que vous avez quand même un certain nombre de ps qui peuvent aussi vous donner des coups de barre des fois. Autre possibilité, si on a des indices. Dans le milieu militaire et peut-être qui ont eux-mêmes des infos dans le monde des mercenaires. Ouais, t'oublies pour moi, hein. Les indices côté militaire. Non, mais je pense qu'il parle de comment s'appelle Christopher. Le problème c'est que bon, je dis tout de suite, hein, pour Christopher, c'est qu'on n'a pas encore fait ses relations sur son BG. Donc, oui, j'ai pas encore terminé, donc il a bien des relations dans l'armée, mais il pourra pas les consulter avant la semaine prochaine. Oui, okay. Bah du coup, voilà. Tu veux toujours lui en parler ou pas? Tu préfères que... Alors, tu veux que je lui en parle la question, ou pas, bon, je vais la reposer quand même à Gugun quand il revient. Sur le reste de la nuit, est-ce que vous avez des trucs à faire, en fait? C'est ça, en fait, je peux vous faire des jets... Je voulais juste retourner au commissariat pour vérifier ce qu'on m'avait balancé sur les empreintes et la balistique, et s'il y a des résultats pour mon sniper fou. Pour le sniper fou, clairement, il n'y en avait qu'un seul. C'est assez rapide, il n'y en a qu'un seul. Il est mort de 2 balles, une dans la tête, une dans le thorax. Comme c'est étonnant. C'est laquelle qui l'a tué? Voilà. Allez, attends, quelqu'un peut me lancer un D2, si c'est 2, c'est Obi. Bah, tu... n'importe quel truc, si c'est pair, c'est Obi, quoi. Voilà, si c'est pair, c'est Obi. Alors, je demanderai aux deux autres de jeter un D2, alors. Bah, à un des deux autres, alors. Non, un seul. Un seul des deux autres. Wedge, lance un des deux. S'il te plaît. S'il te plaît. Le petit target. Non, des minuscules, ça passera bien. Ça passera très bien. Bah voilà, bon, bah, tant pis. C'était moi. Tant pis. Non mais tant pis. Mais bon, de toute façon, les médecins légistes, hein, c'est vraiment tous des bras. Hein. Attends, je détecte mon détecteur de mauvaise foi vient de s'affoler là. Ouais. Effectivement. C'est des perturbations dans la force, en effet. Et au niveau empreinte, pour l'instant, ça donne rien. C'est... le gars, si, tu trouves le nom du gars. T'as le nom du gars. Il est recherché. Ah bah, par un hôpital psychiatrique. Oh, comme c'est étonnant. Il s'appelle comment, ce garçon? Alors, justement, je vais te donner son nom.
Hop là, tac, 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 tac. Alors, il s'appelle Loïs Rod. Il s'est échappé il y a de ça une semaine d'un hôpital psychiatrique à Los Angeles. Il est décrit comme dangereux. Et il a été enfermé parce que il a essayé de tuer sa femme avec un couteau de boucher là, je sais pas comment ça s'appelle. Une feuille de boucher. Une feuille de boucher. Bon, et... je vais clôturer mon enquête qui a été très rapide. Bah par contre, ce qui est inquiétant, c'est comment il a fait pour trouver une arme comme ça, quoi. Ouais, c'est surtout ça. Il était. Je suis revenu, c'est bon. Excusez pour le retard. C'est un ancien militaire, hein, le gars. Ouais, donc je pense qu'il a dû se démerder ou réactiver. Il a peut-être contacts. Fait lui-même, hein. Bon, alors. Alors, j'ai entendu meurtre et couteau de boucher. Oui, le fameux sniper fou, on a trouvé son nom en fait. Il avait des empreintes et il s'était évadé d'un hôpital psychiatrique. Il était classifié en tant que dangereux et fou. D'accord. Et apparemment, il a dessoudé sa femme, c'est ça ? Il a essayé. Il a réussi à s'en sortir. T'as des photos de la femme, des coups qu'elle a pris. C'est pas beau à voir. C'est une femme bûche. C'est une femme bûche, voilà. Ok, il est marqué que le médecin légiste n'est pas pris vomir d'ailleurs. Mais bon, et comment il a fait pour s'en sortir du coup? Il a été aidé ou il s'en est sorti tout seul? Non, il s'est échappé de l'hôpital psy et puis apparemment il a dû retrouver. Ou alors il avait déjà pris son arme avant et puis il a repris. Et puis, ça fait une semaine, donc en une semaine, a priori, soit il avait une arme, soit il s'en est procuré une. Ouais, mais est-ce qu'il s'en aurait pas procuré une avec notre copain là? C'est violent. Ça serait violent. Los Angeles, c'est grand quand même, hein. À moins qu'ils disent que le Sharp, le numéro de série était limé et qu'il a été peint, je vois pas de. Non, il est pas peint, clairement pas. Il est pas peint. Ok. Bien. Voilà. Ah, donc pas forcément lien. Le numéro de série, oui. Jean-Pierre. Il a été limé. Jean-Pierre, papa. Non. Oh putain. Tu as trouvé la balistique te dit clairement que le canon a été changé, donc pour le coup, pour retrouver, c'était quoi l'arme avant D'accord. Peut gratter. Bon, ben, je pense que ça va être le premier dossier. Et par contre, elle a servi dans aucun crime connu. Bon, dans tous les cas, moi, je pense que je vais classer l'affaire ce soir, enfin ce matin. Okay. Ton affaire ? Ouais, je vais la mettre en mode pause, là. Et du coup, voilà, et je donne évidemment le signalement des armes, j'écris tout le rapport en disant que mes pistes, etc. Ils sont que voilà, je mets toutes les données des vols. Je vais prendre quelques jours pour les feuilleter, etc. Et au fur et à mesure, je rajouterai dans les prochains jours éventuellement des détails. Et s'il y a vraiment quelque chose qui me saute aux yeux dans les données, dans ce cas-là, je rouvrirai le truc on va dire, de façon plus violente, mais... Fais-le à l'ancienne, tu te prends un énorme tableau de liège, tu prends des punaises, du fil rouge, et puis du fil rouge, et voilà, et tu commences à faire des liens entre les deux. Ça du coup, l'affaire des 4 meurtres là est classée, du coup, il nous reste le sniper et le suicide. Alors, le sniper, moi, je vais le classer, hein, sérieusement, le type... Il nous reste juste le suicide, du coup, qu'on va traiter demain matin avec Denis. C'est ouais. Ça. Moi, je vais faire ce qu'il faut pour classer le... Il y a le Cessna aussi qu'il faut que je classe, mais que je suis en train de faire, quoi. Oui, voilà, le Cessna, je pars du principe que tu me fais juste un petit jet pour le rapport, s'il te plaît, et ça va être classé. Ouais. Ouais, c'est juste pour le jet, c'est pour voir... Éducation, bureaucratie... Ouais, attends... Ah putain, il va falloir que je fasse éducation, bureaucratie pour fermer ça. Ouh la vache. Après, si vous ratez, c'est pas grave, hein. Vous passez juste une heure de plus, hein, et vous refaites le jet. Ouais, Ah bah voilà. Je vais faire le rapport aussi sur les mecs qui sont qui voulaient se foutre le feu là. Hop là. Bon bah je pense que. On est trop fort. Vas-y, hein, relancez. Alors si vous voulez, je peux vous les faire les rapports. Hein. C'est ça. Non, parce que. Bon, par contre, faut m'apporter le café, pain au chocolat, tout ça, hein. Ouais, bah on va dire qu'on va faire ça.
Attends, hein, faut que je te refasse le jet, en fait. Après, je pars du principe que c'est gratuit si vous le faites jusqu'à la fin de la journée. Hein. Bah moi, de toute façon, après, j'ai que ça à foutre. Hein, donc... C'est ça. Perso, moi, voilà. Quoi. Si ça vous dérange, est-ce que ça vous dérange si on passe directement à la fin de la nuit? Non, pas moi. Bah, moi ça me va. Dès 6h30, je fais, bon, Chris, tu sais conduire? Et bah, il sait conduire, il sait un cop. Chris, moi, ouais. Bon, bah, tu conduis, parce que moi, tout le okay. temps, je peux pas conduire. D'accord, très bien. Des... Ah, tu laisses quelqu'un d'autre conduire. Est-ce que les deux autres vous accompagnent? Ça serait plus sympa, quand même. Bah, ouais, oui, je pense. Vous voulez aller où, du coup, là, justement, là, au loco, là, sur la quête sur la quête dans laquelle on est venu? Tout à fait. Ouais, ouais. Ok. Perquis... perquisition... Je fais juste une perquis pour poser des questions. J'ai le droit? Ok. Merci. Vas-y, vas-y, c'est bon. Il me voit comme ça. Il me voit partir, il fait tu vas où toi? Ah ouais, t'as pas vu partir. On lui a présenté le café, puis on lui a fait citer 2-3 trucs, dont ton truc de perquisition qu'on a glissé entre nous. Ouais, c'est ça. Bon, allez, vous êtes là-bas. Donc dans les locaux de Echo machin. Consulting. Echo Consulting. Ouais. Donc bah l'équipe de sécurité qui est sur place, bah vous laisse entrer, vous avez les papiers. Hein. Merci. Et bah les bureaux, à cette heure-là, y'a personne. Hein. Non mais on y est vers pour 7h-8h quoi. On va devoir prendre du café en les attendant. Tu fais ce que tu veux, hein. Ah bah oui, juste une petite question. Question. Oui, réponse. Ouais. Mon blouson cops, il a morflé avec l'incendie ou pas? Alors, l'intérieur est un peu cramé et surtout il sent le cochon grillé. Enfin, il sent l'essence brûlée en fait, exactement. Ouais. Bon, donc, on va dire que je pars du principe que niveau protection, il reste bon. Par contre, c'est pas si agréable que ça de le mettre quoi, et surtout ça pue pour l'instant. Mais bon, si je le passe à la machine, ça ira, quoi. Les pompiers, ça tirait. Non, je préfère le chat. Du coup, si on a perquis, est-ce qu'on a le droit de farfouiller un petit peu, du coup, dans les locaux ou pas? Bah, c'est fait pour, hein. Ok, bah... Et par contre, t'as des limites à la perquisition, hein. On t'a dit, c'était tout ce qui était en rapport avec deux personnes. C'est-à-dire que normalement, t'as pas à fouiller les autres bureaux. Ah bah, je vais fouiller le bureau de la blonde, je demande à être indiqué. Enfin, si tu veux, tu peux frotter ton sexe sur les murs, hein. Avec un... Avec ça, hein, voilà, t'as le droit. Du coup, voilà, je demande aux employés qui sont là de m'indiquer le bureau de la blonde et je commence à farfouiller son bureau. Enfin, s'il me l'indique et qu'il n'y a pas de problème. Je prends le bureau de Alors, je rappelle que tu n'as pas le droit. Ah oui, mais elle est blonde. Mais elle est pas là. Je m'en fous. J'ai une perquisition. Non. Donc, les premières personnes. Attendez, stop. Les premiers employés du bureau arrivent et vous disent bonjour. Bonjour. Que pouvons-nous pour vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Cops. Bah, nous attendons Richard Nyanya et Jeanette, Marie. Et Marie Nyanya. Voilà. Okay. T'as Marie qui arrive Nyanya. Oui, c'est moi. Que puis-je pour vous? On a quelques questions à vous poser, mademoiselle. Bouge pas, salope. On a plein de consoles. Je veux bien y répondre, mais pourquoi? Vous êtes suspecté dans la mort de... Enfin, dans la mort. Dans le suicide. On a trouvé un cheveu potentiellement à vous. Je ne sais pas. Donc c'est pour ça que je prends ma petite mallette. Mais un cheveu de quoi vous parlez? Un cheveu de jambe normal, classique, standard. Oui, mais je comprends pas pourquoi vous... Oui, vous pouvez peut-être lui dire que c'est par rapport au suicide de son collègue, hein. Ah, vous êtes là pour le suicide de... Ah bah attendez, on a quelque chose pour vous. Elle arrive et elle vous donne une caisse avec ses affaires. Ok, bah écoute, si elle nous la donne, moi je commence à regarder ce qu'il y a dedans déjà. Lynn ou Guillermo, vous regardez ça? Oui, je peux. D'accord. C'est triste qu'il se soit suicidé. T'as l'air tellement convaincu, chérie. On l'aimait tous bien. Ouais, je suis sûr que vous avez fait un pot de départ. Alors... Excusez-moi, j'insiste. Vu que nous avons trouvé dans la pièce de là où il s'est suicidé, un cheveu long blond
on suppose potentiellement qu'il est à vous, pour faire une composition ADN et donc vous innocenter, on aurait besoin d'un prélèvement de salive ou quelque chose. Donc je commence à prendre ma petite mallette. Si vous voulez, mais de toute façon, la bouche est faite. Je perds mes cheveux et il en avait peut-être même sur lui. Donc bon. Ce n'est qu'une supposition, ce n'est que pour une vérification. Ce n'est qu'un supposition. Oui, bah, tu t'en prélèvement. Faites... De toute façon, t'as rien qui empêche de le faire. T'as tout ce qu'il faut. Oui. Donc, hop, tu fais ton prélèvement. Je fouille dans le carton qu'elle nous a donné là, enfin les affaires et tout. Fais un truc. Fais un jet de scène de cri. Pouya 4. Tu trouves une lettre signée soi-disant du mec qui dit j'en ai marre, je suis triste dans ma vie, je veux en mettre fin, je veux y mettre fin. Oh là là. Elle est manuscrite hein. Non, elle est tapée. Ouais. Est-ce qu'il y a une trace sur l'ordinateur de la victime, du coup, d'un tel document? Tu pars sur l'ordinateur, donc il faut que tu ailles sur son bureau. Mm-hmm. Et quelqu'un s'est assis à son bureau. D'accord. Qui c'est, du coup? Enfin, c'est l'autre gars, là, l'autre c'est système, l'un des... c'est Bobby. Bobby. Oui, monsieur le policier, que puis-je pour vous? Vous êtes en train de toucher une pièce à conviction dans une affaire de potentiel. Enfin, comment on peut faire ça? Ouais, suicide, oui, voilà. Domicile potentiel. On aimerait bien que vous ayez votre ordinateur, s'il vous plaît. Excusez-moi, j'ai juste pris sa place parce qu'il n'est plus là. Donc, tenez, ça a l'air de vachement vous toucher, sa disparition. Mais c'est la mienne maintenant. Vous avez l'air très touché par la disparition de votre collègue, monsieur. Vous êtes, tous les gens autour de vous ont l'air des espèces de robots insensibles. C'est juste... Tous ceux qui vous parlent, ils vous parlent d'un ton monocorde et tout. Vous me faites tous un jet d'instinct de flic et éducation. Est-ce que ça me fait penser à la drogue? Justement, c'est pour ça, l'instinct de flic et éducation. 4 pour moi. Joli. Ouh la vache, le jet de porcasse. Ouais, je suis assez content là. On a le jet inverse là-bas. Ouais, la même chose. Oh bah moi. Bon, bah seulement pour Christopher, Chris. Clairement ils sont sous. Pour Chris, ils sont tous sous ICE. L'ICE c'est un médicament légal. Mm-hmm. Mais qui désinhibe complètement les émotions. D'accord, et à très forte dose, ça s'en est très dangereux même. D'accord, et là, ils ont l'air tous complètement shootés à ce truc-là. C'est-à-dire qu'ils ne font que calculer froidement ce qui se passe autour. Et est-ce qu'à forte dose, ça peut donner des envies de suicide ou de meurtre? Ça n'a jamais été prouvé. Par contre, ça rend les gens complètement insensibles. Ouais, est-ce que ça peut être un désinhibiteur, à savoir est-ce que ça peut complètement te faire perdre tes trucs moraux sur le bien? Ouais, sociopathe quoi. Bah oui, complètement, parce que tu fais que calculer froidement en fait les causes et les conséquences. Donc si ça se trouve, ils ont même carrément aidé gentiment le mec pour parce qu'il leur demandait le service. Enfin, ils disaient qu'il en avait marre, ils l'ont même juste poussé peut-être pour lui rendre service entre guillemets quoi, sans avoir la conscience de ce qu'ils faisaient vraiment. C'est une théorie, mais ça aurait pu, quoi. Sinon, t'as l'autre suspect qui est là, et qui dit « Bonjour, on m'a dit que vous vouliez me parler. » Pendant qu'ils discutent, moi, je vais faire fouiller l'ordinateur du gars pour trouver la trace d'un document qui... Enfin, justement, le document enregistré de la lettre d'adieu. Tu me fais un jet d'informatique, éducation. Et j'attends un jet au moins 3 plus. Pas de trace de cette lettre. Je peux l'aider? Et une bonne part. Et surtout, tu remarques, tout son courrier a été viré. Je peux l'aider? Tout a été effacé. Je peux regarder ce qu'il y a dans la corbeille de l'ordinateur ou pas? Oui, mais comme t'as pas fait un bon jet, bah. Ouais, mais ça je peux l'aider! Pas la corbeille. Oui, non, mais. Bah, ton jet d'informatique correspond à ça en fait. D'accord. Mais est-ce que moi je peux le faire, le jet d'informatique? Bah, film, ouais, vas-y, je te laisse la place. C'est très triste ce qui lui est arrivé. On est tous bouleversés ici. Mais le business continue. Il faut pas oublier l'écologie, c'est très important. Ah, que deux. Bon, deux.
Il s'occupait de quoi, machin, là, qui est mort? Fais-je au suspect. Il a un nom tellement compliqué que je m'en suis même pas rappelé. C'est pour ça qu'il faut les écrire. Mais même en l'écrivant, j'aurais pas su le relire. Techniquement, dans la lettre d'adieu, il n'y avait pas une accusation, quelque chose comme ça, parce qu'il disait j'en ai marre, mais est-ce que. Enfin, j'en ai marre par rapport à quoi? C'était un truc général, genre la vie, oh, tout non, ça ou... C'était un collègue bien, sous tout rapport. Il et était. Il s'occupait de quoi exactement? Oh, de choses et d'autres. Il y aurait quelque chose dans son milieu professionnel ou personnel qui aurait pu l'inciter à... Sûrement le fait qu'il doit être célibataire. Et en plus, elle. Il parle. Comment ça s'appelle Jeannette a dû lui repousser plusieurs fois ses avances. Jeannette la blonde, non, au hasard? C'est... Oui, oui. Jeannette, c'est Jeannette. Enfin, on n'a pas de Jeannette là, on a qu'une Marie, nous. Oui, c'était Marie. Je sais plus. Là, Marie, ouais, c'est Marie le nom. Ouais. Marie qui se fait appeler Jeannette. Non, il y avait deux nanas, hein. Il y avait Jeannette et Marie. Hein. D'accord, ok. D'accord. C'est d'habitude, c'est Marius. Et Jeannette, ça reste la blonde. Hein. D'accord. Ah, ok, pardon. Et du coup, bah, attends, oui, mais Marie, alors, du coup, c'est. Elle, c'était quoi qu'il y avait comme trace sur elle? Ah, ok. Ouais, ok, d'accord. Et sinon, il faisait quoi? Il était dans l'informatique, dans la compta, dans le ramassage des crottes de chiens Depuis son bureau, tout à fait. Oh, il faisait un peu tout ça, hein. Des crottes de chien comprises, d'accord, ok. D'accord. Ben, ces derniers temps, il faisait plus grand-chose. Pourquoi? Ah bon, pourquoi donc? Il devait déprimer, c'est pour ça qu'il s'est suicidé. Logique infaillible. Juste un petit truc, vite fait. Est-ce que je peux aller vérifier leur machine à café? Dis tu produis avec le café. Ouais, pour savoir si elle est meilleure chez nous. Est-ce que... N'importe quoi. Non, c'est pas ça. Si je prends même pas un café, là, vu leur comportement, je prends même pas de café. C'est juste que je vérifie la machine s'il n'y a pas quelque chose qui est bizarre ou autre. Bah, leur machine à café, surtout, ce que tu remarques, c'est qu'il n'y a pas de café dedans, en fait. Il n'y a rien. Elle est éteinte. C'est juste une machine qui prend la poussière. Est-ce que certains employés montrent des traces de blessures aux mains, par exemple? Légères. Un petit jet de perception au sens instinct. J'ai percé. Ouais. Putain, en plus je fais 7, 8... Ah, t'es 7, sérieux quoi. Mais oh là là blasé, quoi. Moi, je retourne voir Richard, vite fait. Excusez-moi, est-ce que je peux voir vos mains et vos avant-bras, s'il vous plaît? Ouais. Il a des bandages sur les mains. Pouvez-vous m'expliquer vos blessures? Ah, je me suis blessé quand. Comment ça s'appelle? En cuisinant, j'ai des couteaux très affûtés. Blessé sur les avant-bras. Attends, oui, sur les j'ai mains, un couteau que j'ai acheté en Suisse et j'ai voulu couper le saucisson. Oh le méchant tacle! Ouais, vous avez dû payer cher pour un couteau comme ça de cette qualité. Mais oh, non, il bluffe, non, il a coupé du pain de mie. 2 dollars, mais il est très tranchant. Mais c'est. C'est de la private joke, clairement. Ami auditeur, si tu nous écoutes, c'est une private joke sur une convention qui a eu lieu en Suisse. Je vois pas de quoi vous parlez, hein. C'est parce que tu veux pas rentrer dans le vif du sujet. Du coup, ouais. Moi, en fait, c'est... est-ce que j'ai droit de l'emmener... Enfin, pas de l'emmener ou autre, de... Comment... pour faire une analyse du type de blessure, si c'est vraiment un couteau ou autre. Ah ben, tu peux à moins que... sortir ses avant-bras et prendre des photos, hein. Voilà, bon, bah... Alors, déjà, le mec qui se coupe avec un couteau sur les deux avant-bras, c'est compliqué quand même, hein. Parce qu'à un moment, il faut qu'il soit droitier ou gaucher, hein, mais Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais bon. Bah, il peut enlever ses bandages, on peut lui demander déjà. Oui. Ouais. Il y a toujours personne qui m'a fait son jet de scène de crime, hein, je rappelle, hein. Oui. Dans la foule des locaux. Si tu veux, je te le fais, hein, vas-y. Scène de crime avec quoi? La perception, toujours. Perception, scène de crime? Ah bah, attends, si. J'ai 6 attendu un sur la gauche à droite aussi, hein. Je n'ai qu'un succès.
2. Ah non, attends. Vérifie combien j'ai. Ok, bon. Oh bah putain. Je pars aussi du principe que t'as au moins deux autres employés qui ont des bandages. Des bandages. Ouais, donc plus que suspect, quoi. Ouais, donc tout se pousse. Avec deux réussites, on a quoi, du coup, comme info? Ah bah c'est tout, hein. Moi non, mais Lynn, oui. En plus. Oui. Oui, mais c'est ce que vous avez eu. Ok. Ah, c'est... Et c'est tous les employés vous regardent, hein, dans tous les cas. Ils regardent ce que vous faites, ils regardent ce que vous dites. Du coup... Ils travaillent pas. Si, comment dire, j'imagine que Lynn, tu nous indiques les avant-bras des autres, du coup. Ouais. Vous faites tous de la cuisine avec des couteaux tranchants dans le coin? On a un genre d'atelier ou... Oh, oui. Hein, je pense qu'il bio parce que l'écologie c'est important. Uh-huh. Voilà, c'est très bien, j'ai la réponse. C'est fait, voilà. Hein? Bon, définitivement, là il y a baleine sous gravillon. Hein? Hein? Tu veux dire plutôt planète sous nanoparticules? J'aurais dit ça moi, ouais. Est-ce que c'est bon, monsieur le policier? On peut retourner à notre travail? Bah, je prends les photos des blessures. Mmh. N'oubliez pas ces affaires, ici elles encombrent. Est-ce qu'un médecin peut pas regarder ses blessures? Bah, il va falloir demander en fait à qui viennent au poste. Hein. Et pour faut l'arrêter. Hein. Et pour l'arrêter, ou par quelqu'un qui s'y connaisse en arme blanche ou en médecine. Hein, tu vois, pas forcément un médecin, mais. Quelqu'un qui s'y connaît en médecine. Il a retiré ses trucs. Il y a quelqu'un qui fait un jet de médecine perception, ça peut faire. Je vais essayer. Premier secours, ça passe aussi? Non, j'ai médecine à 7 à la limite. Non. Ouais, vas-y, laisse le médecin. Comme par hasard. Oui, 3. Oh là là. Clairement, il a dû s'ouvrir sur du verre ou enfin sur des trucs pans, mais pas clairement pas des couteaux. Hein. Alors j'ai une petite question du coup. Justement, est-ce qu'ils sont, ils ont pas essayé de le pousser un peu méchamment? Ils sont tous un peu entailladés sur le verre qui est, le verre tranchant quoi. Le verre qui s'est brisé. Ça pourrait être une idée. Enfin, de toute façon, à la limite, au pire des cas, on peut aller deux étages en dessous voir la scène de crime parce que j'imagine qu'elle a pas été tout à fait nettoyée déjà. Ah si, elle a été nettoyée. Les fenêtres. Ouais, je l'ai fermé. Ouais, oui, je l'ai fermé, ouais, mais. Bah, il doit avoir un carton dessus maintenant sur la fenêtre. Est-ce que à l'étage il y a des fenêtres où il y a des cartons à un moment, un endroit? Genre, est-ce qu'ils n'auraient pas suicidé quelqu'un d'autre? Non. Psychopathe. Ça aurait été rigolo, mais non. Question à la con, du coup, est-ce qu'ils n'ont pas plus ou moins tous participé au machin d'une manière ou d'une autre et qu'ils ont, ils sont shootés aux médicaments magiques là, histoire d'éviter, en cas d'interrogatoire, d'avoir. De se faire trahir par leurs émotions? Je vois pas de quoi vous parlez, monsieur. Oui, bien sûr. Non, je me dis ça aux collègues. Ils sont en train de dire qu'ils ont refait le meurtre de leur Orient Express, mais version entreprise. C'est intéressant, ça. Un peu l'idée. Et qu'ils se sont shootés pour éviter de dire des conneries pendant la prorogatoire. Je pense pas qu'ils se soient shootés pour ça. Je pense pas qu'ils se soient shootés à dire que c'est un état dans lequel ils sont tout le temps, mais... C'est ça. Et je pense même que c'est celui qui s'est fait pousser. Il est drogue entre guillemets quoi. À ça. Ouais, mais je comprends pas pourquoi ils nous mentiraient s'ils ont plus du tout d'émotion du coup, parce que si t'as pas la culpabilité, tu vas pas mentir. C'est ça. Tu peux ne pas. Si leur raison est là. On appelle la conservation. Oui. Ouais, pas con, ça se défend. Si la raison est là, ils vont pas forcément être calculateurs pour éviter les problèmes, quoi, je pense. Alors, dans ce cas-là, est-ce que justement on jouerait sur le registre des émotions par rapport à ça, à savoir que j'accuse. Je dirais plus sur la logique, parce que s'ils sont désinhibés au niveau des émotions, ça va être plutôt la logique elle-même qui va les inciter. Mais donc, justement, s'ils sont désinhibés au niveau des émotions, autant essayer de faire jouer sur les émotions, comme ça, ça. Bah non, s'ils en ont plus, ils vont pas réagir par rapport à ça, autant jouer à la logique. Et dans ce cas-là, tu les accuses en disant que les mecs qui ont tous les mains bandées, on va les embarquer parce qu'ils vont être suspects dans le meurtre de machin. Et que ceux qui donnent des informations seront traités gentiment. Est-ce qu'on a une idée de combien de temps ça dure cet effet-là, cette drogue? Ça peut être permanent s'ils se sont drogués depuis longtemps. D'accord. Ah ouais.
Ah ouais, d'accord. Bah, on pourrait essayer ou pas du coup de le faire un peu dans ce genre-là? Pour essayer de voir si en essayant de les menacer, enfin les menacer, de les encourager à se dénoncer les uns les autres, du coup ça pourrait donner des résultats. Tu veux que je les intimide? Je suis pas mauvais en matière. Ouais, à la limite. Après, on peut essayer, on peut jouer les bons et méchants flics. Ah ben. En même temps, le méchant flic tenu par un latino, ça fait un peu cliché. Hein. C'est pas grave, on pardonne. Donc tu seras le méchant flic. Est-ce qu'on essaye ça ou pas du coup, quitte à les, quitte à passer les prendre à part, genre à l'étage du dessous, si c'est déserté. On essaye ça ou est-ce que vous avez une autre idée pour l'instant? On va essayer ça, on verra bien ce que ça va donner. Mm-hmm. Bon, moi je dis que comme j'ai à faire du coup, Chrome. Moi je dis, moi je dis. Faire... C'est déjà l'interrogatoire, donc c'est tous ceux. J'aurais tendance à dire qu'il faut les coffrer et on les interroge aux cops. Oui, on peut les amener derrière, oui, oui, oui. Voilà, c'est... Bah... Oui, mais on peut on pas tous décoffrer. On embarque tous ceux qui ont des bandages à la main, et puis... Mm-hmm. Voilà. On les menotte sur les bandages. Mmh. Oui, si. Non, on... Bah, non, non, mais on leur signifie, on leur lit leurs droits, on dit qu'ils sont... Mm-hmm. Garde à vue. Mais attendez, attendez, les gars, attendez, les gars. Le problème... Non, non, y a pas de garde à vue, ça existe pas, hein. C'est... Non, c'est... On te lit tes droits parce que tu es arrêté pour quelque chose. Bon, bah, ok, d'accord. Et donc, tu voulais... qu'est-ce que je voulais dire donc, avant le problème, c'est que moi, j'ai un mandat qui est que sur deux personnes. Jeannette la blonde. Oui, et c'est pas un mandat d'arrestation. Hein. Voilà, et alors, c'est pas un mandat d'arrestation. On, oui, on peut après, là, gentiment sont leur demander de venir au commissariat. Oui, ça aussi, oui. Ouais. Ça. Ce serait très important que vous veniez au commissariat. Genre, c'est bien, tu genre. Parles leur langue. Ça nous aiderait beaucoup. En plus, oui, ça permettrait de fermer rapidement. Oui. Oui, comme. Non, non. Bah, la plupart, ils se regardent. Ok. Ils viennent tous. Eh bien, d'accord. Suivez-nous. Nous allons tous au commissariat. Et là, je me retourne avec les deux pouces levés. Je fais ouais. Yeah. Bon, arrivé au commissariat, vous les prenez à part, je suppose, en ouais, à part, ouais. Ouais, forcément. Par contre, moi, je me demande, c'est quoi qui facile, les a foutés, quoi. Ceux qui... Vous me faites tous... Il y a combien de personnes? Ils sont 6. J'ai besoin de 6 jets d'interrogatoire, en gros. Interrogatoire, c'est une compétence, ça? Vas-y, Coco, ouais. Tu viens. Bah, c'est soit rhétorique, soit okay. Éloquence, soit... Bah, du coup, je refais 4-7, donc éducation rhétorique, quoi. Et... attends. Ouais, éducation rhétorique, oui. 3 succès. Ça, sur le premier. chaque duo s'en oh, occupe. Bien. Comme vous voulez, moi je m'en fous. Bon bah écoute. De toute façon, est-ce qu'il faut. Est-ce qu'on peut faire oh. sur l'intimidation oh. mais... Là, je fais de la. Comment ça s'appelle des interrogatoires assez hein sans demander la. Guillermo. Bah, sans demander comment ça s'appelle, quelle approche vous faites parce que. Mais non, t'en fais qu'un seul. Ça va être plusieurs fois le même interrogatoire vu qu'ils sont tous complètement dans le même état. Oui, bah de toute façon, on va essayer l'intimidation. Moi personnellement, je vais essayer l'intimidation. Moi, ce sera la rhétorique. Moi, j'ai. Intimidation, donc c'est sous carrure. Oui, je sais. Non. En interrogatoire, c'est sans froid. Non. Alors, en interrogatoire, c'est sans froid, intimidation. Ouais, sans froid, mais ça tombe bien, j'ai le même. Ah ouais, excuse-moi. Oh, c'est pas drôle. Mais ça marche très bien pour moi, c'est cool. Oh, c'est pas drôle, l'intimidation sur sang froid. Et le camp, ça va être charme, si je me rappelle bien. Bon. Mon personnage est en intimidation, et c'est une brutasse en intimidation pour interrogatoire. Parce que j'ai fait 3 succès. Moi aussi. Moi aussi, justement. Donc, bon. Là, je crois que... vu le nombre de succès, j'arrête là. Pour faire simple, chacun des gars, des gens que vous interrogez, accuse tous les autres sauf lui. Ah bah, c'est cool. Ils se sont réunis, ils ont voulu le tuer, c'est pas ma faute, c'est leur faute à eux. C'est rien que des méchants, moi j'ai rien fait, j'ai jamais participé. Et pourquoi ils voulaient le tuer? Parce qu'il il faisait des mauvais chiffres et qu'il était dépressif. Et qu'il voulait pas apprendre de quoi se désinhiber. Enfin, se désinhiber. D'accord. Bon, ils voulaient pas se droguer comme les autres, hein, pour faire ça. En fait, eux, ils prennent volontairement la drogue. Okay. Enfin, et comme l'autre, il était moins performant, ils l'ont... Donc tout le monde l'a buté pour s'en débarrasser, quoi.
C'est de la sélection naturelle. Mais non, c'est pour que les chiffres soient meilleurs, c'est normal. Oui, tout à fait. J'imagine qu'on a enregistré cette conversation-là, on est d'accord. Alors, ah bah oui, c'est interrogatoire. Moi j'ai une question conne, mais on a. Denis, t'as pas trouvé du sang à l'étage où il a été poussé, le mec? Denis. Bonjour. Si c'est pour moi tout à l'heure, remets en route le micro. Est-ce que quand tu as fait ta découverte de corps, est-ce que tu as trouvé du sang au milieu des fragments de verre en fait? De mémoire, attends, je prends le rapport, je regarde, mais de mémoire, non, il y avait que les traces ADN, c'est le problème. Non. Enfin, non, il y avait que les empreintes, il y avait pas du sang. De toute façon, dans les interrogatoires, on t'explique, en fait, les mecs, ils se sont mis à plusieurs à péter la vitre. Hein. Et si des morceaux il y a, ils sont tombés dehors, en fait, morceaux pleins de sang. Et le problème pour tout ça... Là, pour le coup, les interrogatoires, c'est qu'ils finissent tous par cracher la vérité en accusant tous les autres. D'accord. Donc, ce que vous réussissez, en gros, comme histoire, c'est que le gars, il n'était pas performant, il voulait les faire chanter au pognon pour se faire virer. Il était encombrant, il était chiant. Il voulait pas en plus prendre le même truc nous. C'était de le suicider comme ça. Au moins, bah, on pourrait attirer en même temps l'attention sur notre boîte en disant qu'on était pauvres. Que, voilà. Et on attendra les quotas. Clients, les pauvres gars qui étaient traumatisés par la mort de leur ami. Super. Je vais les vomir, je reviens. Alors, techniquement, on peut tous les coffrer pour complicité. Hein. Ah oui, bien sûr. Là, tu peux aller voir le procureur en disant, ben voilà, il me faudrait X mandats d'arrêt. C'est ça, c'est 6 mandats, ouais, 6 mandats pour d'arrêt. Pour meurtre en réunion. Ça. 6 mandats d'arrêt pour meurtre en réunion. Les coffrer. En leur disant leurs droits et compagnie. Quoi. Tout en ouais, bah, pas de soucis. Attends, et... je vais leur lire leurs droits. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que pourrait dire sera retenu contre nous. Non, logiquement, le truc de cops, c'est pas pareil. D'ailleurs, tu nous l'as toujours pas fourni, ça. Mais bon. Le texte des droits cops. Ah bon? Oui. Ouh. Mais c'est ça, hein, c'est la loi Miranda. Hein, c'est, vous avez le droit de garder silence, tout ce que vous pouvez dire. Non, elle est différente de. Des États-Unis actuels, en fait. Ça, je m'en souviens bien. C'est la Miranda 2. C'est ça, c'est... Bon, de toute façon, on verra ça une prochaine fois. Elle a été dictée sous Donald Trump. Pardon, excusez-moi. C'est rien. Tu peux mourir tranquillement. Ok, merci. C'est gentil. Je t'en prie. Salaud. Par contre, je pense qu'on va terminer notre tour de session. Ouais, et notre session aussi, mais surtout notre tour de cadran. De me taper sur les XP là. Parce que ça fait un moment quand même là. C'est le moment de taper l'XP quand même. Ouais, ouais, et en plus, on a clos deux enquêtes. Hein. Non, trois. Trois. Ouais, attends, là je pense qu'on a fait la. Alors. Je pense que ça sera pour le. Et le ça sniper. Sera pour la prochaine session. Alors. Non, je parle alors. De trois. Il y a le Cessna, le suicidé et le sniper. Sur les personnages. Alors, on en est à la sixième séance. Déjà. Qui avait été absent J'en ai fait 5. Obi, t'as fait les 6. Oui. Etlon, t'as fait les 6 aussi, je crois. Ouais. Alors je chiffre sur l'ensemble, hein, c'est des enquêtes qui ont été faites. Je pars du principe que le KKK, même si elle est en suspens, je vous donne l'XP déjà de ce que ça vous, ce que ça vous donne là. Alors, je suis en train de prendre la petite calculette. Alors. Donc, 24 points d'XP pour Tlon et. Enfin, pour Guillermo et Lynn. Popo! 20 pour. Denis. Pour Denis. Alors, hop. Alors, 4 pour. Non, 3 pour. Comment ça s'appelle? Pour Christopher qui vient d'arriver. 3, c'est tout! Ah bah oui. Ah bah t'es un rookie. Hop. Rookie. Ah oui, autre chose, je pars du principe que pour. Comment s'appelle Guillermo et. Comment s'appelle Lynn.
Eline, vous aviez déjà plus 5, hein. Ah bon? Bah oui, bah ce que l'autre scénario que vous avez fait avec votre personnage. Ah oui. Donc vous êtes à 29 en fait, tous les deux. Ah oui, bah c'est bien ça. Oh. Oh bah c'est bon, c'est... Je vais lui mettre sa misère, hein, sniper. Hey. Donc voilà, ça pour la distribution d'XP. Je fais un récap sur comment marche l'XP. Ouais. Ouais. Mmh. Alors. Ça peut être distribué sur plusieurs trucs. Alors, on va commencer par les comment ça s'appelle, les caracs. Si vous voulez monter d'un point les caracs, c'est vous payez 6 fois la valeur actuelle de votre caractéristique. Ah ouais, carrément. Ouais. Eh ben... On dira à 12. C'est cool. Je vais pouvoir monter monter une carac à 3. Ouh. Après, comment... pour ce qui est des compétences... il faut payer, alors payer 10 moins votre niveau actuel x 2. Donc par exemple si c'est 8, ça fait 2 fois 2 quoi. Et ça coûte 5 points d'expérience d'acquérir une nouvelle compétence au niveau 9+. Autre chose, pour 15 points d'XP, tu peux acheter un point d'adrénaline ou un point de d'ancienneté. Au maximum, adrénaline plus ancienneté, ça doit être égal à 5 max. Autre chose, les stages. Un stage de niveau 1, 10 points d'XP. Un stage de niveau 2, 15 points d'XP. Un stage de 3, coûte 20. Seulement, vous n'avez pas accès aux stages comme ça. Avec oui, de l'XP, faut que tu aies disposition. Voilà, non mais je vais vous donner vos points de stage après. Avec de l'XP, vous pouvez aussi changer de tonnerre. Et en choisir un nouveau. Mais pour ça, c'est 5 points d'XP pour les deux, pour être partenaire. Je rappelle que être partenaire, ça vous permet de partager vos points d'adrénaline et d'ancienneté. Oui. Relations, sinon. Avec de l'XP, vous pouvez aussi augmenter vos relations ou en acquérir de nouvelles. Alors, sachant que pour l'acquisition de nouvelles, je vous demanderai qu'on fera un... Enfin, me le justifier d'un point de vue roleplay, hein, quand même. Parce que c'est pas... je suis ami avec le grand parrain de la mafia machin, demain. Ah ouais? T'as fait quoi? J'ai dépensé de l'XP. Nope. D'accord. Après, stage donc. À la fin de chaque scénario, au moment où les joueurs dépensent leur point d'expérience, le meneur octroie un certain nombre de points de stage en début de carrière et en cas de réussite. Le nombre de alors en cas de en début de carrière et en cas de réussite moyenne du scénario, bon c'est le cas hein, par rapport à moi ce que j'avais prévu. Le meneur pourra par exemple octroyer un nombre de points de stage égal au nombre de personnages présents. Alors vous êtes 4, je pars du principe quand même qu'il y en avait 2 autres, donc ça fait 6 points de stage. Mmh. Vous pouvez marquer, normalement il y a un truc point de stage. Hein. Ouais, oui, point de stage. Alors 6, c'est pour le groupe, hein, je rappelle. Ouais. Et donc ça sera partagé. Parce que 6 sont dépensés, c'est le groupe qui les dépense. Ok. Donc, alors c'est moi qui choisis quel stage, comment ça s'appelle, est dispo et pas dispo. En gros, vous me demandez le stage que vous voulez et je vous dirai s'il est dispo ou pas dispo, hein, tout simplement. Et par contre, à partir du moment où vous partez en stage, votre personnage est pas utilisable pendant une semaine. C'est pour ça qu'on fera les stages tous en même temps. Ouais. Normalement, comment s'appelle si comment s'appelle je devrais vous faire le stage comment s'appelle la semaine d'après là les points je vais les garder de côté. Normalement, je dois les supprimer. Hein. Non, je vous dis tout de suite, je les garde de côté. Alors, au choix en fait, soit je les garde de côté. Je les garde de côté pour le moment où vous aurez un prochain truc de libre, mais vous en gagnez pas d'autres. C'est-à-dire que si vous résolvez un scénario et vous avez de l'XP, vous aurez pas d'autres points en plus. Ou alors, si vous... Bah, en fait, le truc, c'est... Ouais, non, bah, je vous garde 6 points, et ça sera pour le prochain moment de libre, en fait. Mais vous aurez pas d'autres points entre-temps. On peut pas considérer que... En fait, le truc, c'est que tu peux pas cumuler trop de stages, en fait. On peut pas s'inscrire au stage et dire, bon, bah, telle personne a dépensé les points de stage pour s'inscrire à la prochaine session dans bah, une semaine, deux semaines, trois semaines. En fait, le truc revient au même dans le sens où la session sera en même temps pour tout le monde. C'est-à-dire après le prochain scénario. Oui. Donc, que tu dépenses maintenant en disant je veux ce stage-là, outeur, c'est pareil, je les garde de côté. Et, le truc, c'est que t'auras pas le bonus de toute façon avant le stage. Et de toute façon, faut que les gens soient prêts à dépenser quand même 10 points d'XP chacun pour faire ou plus pour un nouveau stage, quoi. Donc c'est pas non plus...
Ah oui, plus, ça. Tout le monde va peut-être pas en faire, quoi. Le temps de regarder un peu les stages. Je pars du principe que quasiment tous les niveaux 1 sont disponibles. Les niveaux 2, il faudra voir les si vous avez les les prérequis. Moi je vote pour le gun, le premier niveau de flingue. Mais on verra moi ça, je vais on étudier ça et je te dirai ça à la prochaine séance. Il est déjà bien tard. Du coup, je vais monter ma carrure à 3. Pas ma carrure, ma coordination à 3. Et je garde le reste pour le stage. Alors, juste avant de finir, pour finir juste sur une petite note, je vais donc la semaine prochaine, donc enfin la semaine prochaine dans le jeu. Je vous lis le radio flash de vous êtes comment ça s'appelle de garde l'après-midi. Alors je crois que c'est 15h-22h un truc comme ça ou 14h-22h, faut que je revérifie. Et c'est un petit teaser. Voilà ce que vous avez le droit à la radio. Bienvenue sur Radio Flash. Trois femmes de 67, 72 et 73 ans ont retrouvé égorgées dans leur chambre de foyer à Tustin. La nouvelle saison du manga Le Marchand de Planète bat des records d'audience cette année. Et on s'écoute tout de suite le single de Mongoro, Fokamosa. Et on se retrouve tout bientôt pour plus de news. Cette histoire de meurtre là, tout va bien quoi, c'est dans le genre « Yeah, regardez, il y a trois personnes qui sont mortes, wouhou !» Et ouais, d'accord. Génial, tout va bien. Faut pas oublier qu'on est l'équipe Alpha hein. Ça va être à qui qu'on va se cotiner ça vu que Lynn elle a fermé la pour le moment celle du KKK. Ah oui, avant de partir, il me reste un truc qu'il faut que je vous envoie sur comment ça s'appelle ? Sur Dropbox. Non. Pardon. Ah putain, excusez-moi. Il y a un morceau, je crois. Ouais, je crois aussi. Je vous envoie une petite image pour la semaine pour teaser la semaine prochaine. Tintin. Hop là, copier, voilà, je me mets là, pouf, 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 paf, paf. Le drag and drop, sinon. Mais... Ouais, ouais. C'est une image en ligne, mais... J'ai enregistré... bureau. Paf. Ouais, c'est le drag et drop. Voilà. Ah, ça a pas marché. Ah, c'est fonctionné. Ça a pas marché. Ouais, pareil. Non. Ça fait planter le programme. Ça fait quoi? Il a tout fait planter. Ah, moi, bon, ça a pas planté, mais. Ouvrir image. Ah, bah là, on est plus tous les deux, alors du coup, oui, ça va marcher. Ah non. Ça va découvrir. Oui, bah ça a éteint mon rôle d'estime à moi, donc du coup, oui. Ah oui, d'accord. C'est violent quand même comme image, hein. Ouais. Tu me dis quand c'est bon, Bobby. Tatatatatac, pouf pouf, bleu. Non, mais sinon, paf. Merde. Vous la trouverez dans le dossier Cops voiture 1, je suis en train de la mettre en ligne. Ça sera plus simple. Je suis en train d'uploader. Ça s'appelle sans titre parce que j'ai pas mis de titre. Voilà. Mmh. Et voilà, c'est dedans. Ouais, sur TeamSpeak. Open File Browser. Oui. User joined your channel. Attends, voiture 5, très bien, oui. Je fais clic droit, okay. Open File Browser. C'est bon. Ah, sur TeamSpeak. D'accord, ok. Bon courage pour la semaine prochaine. On lui dira. Et comment ça je... Ouais. Et ça, c'est le tease pour la semaine prochaine ou. Oh, putain, borgne. C'est quoi ça c'est... Attends. Ok, effectivement, y a de l'idée. C'est un peu le bordel. Un peu? Oh. Bon. Je vais arrêter l'enregistrement. Ouais, pas de soucis. Oui.